Bonjour, moi c'est Ivy et aujourd'hui je vous présente un rapport de bataille de Warhammer 40 000, où je vais jouer les Tyrannides. Et euh, accessoirement, je suis aussi à la recherche d'un coiffeur. N'hésitez pas à mettre en commentaire en fait tous vos fions, c'est-à-dire que ton, ton coiffeur il est en prison, ton coiffeur il est mort, bref tout ce que vous voulez. Bonjour, moi c'est Lol et aujourd'hui je vais jouer Custodes. Ça euh, toi, Laurent. Euh, c'est la famille, c'est aux enfants, hein Qui sont en vacances ou pas <laughs> Vous l'aurez compris, si jamais vous préférez us, vous mettez us en commentaire, ça sera pour supporter Laurent et vous mettez coiffeur, <laughs> quelque chose comme ça. Euh, bah justement. Pour ça moi. qui tu me fais pour ça Le film là où euh... Attention Laurent. Le film de mode, tu sais avec les deux acteurs américains. Zulander Zoolander, Zoolander c'est ça. On est sur Zulander <laughs> Non, c est c est dit, quoi Et tu remarqueras, je l'ai fait par la gauche, ce qui ne savait pas faire au début du film. Oui, <laughs> je ne sais pas, c'est exactement c'est exactement Zulander. je kiffe Pour cette partie au format de 2000 points, je vais jouer le détachement tyrannide flotte d'invasion. Cette flotte adaptative va me permettre donc de choisir au début de la partie différentes règles. Je pourrais choisir soit d'avoir touche fatale, c'est-à-dire à chaque touche critique de blesser automatiquement les monstres ou les véhicules. En deuxième choix, je pourrais choisir d'avoir touche sous nu, c'est-à-dire que sur une touche critique, alors je ne ferai pas une mais deux touches, ou alors sur une touche Critique d'avoir précision et sans général on l'utilise pas. Là on le sait déjà l'ol dans sa liste n'aura qu'un seul véhicule donc j'ai choisir touche soutenue à partir du moment où je cible de l'infanterie. Pour commencer la présentation de la liste on va retrouver deux personnages un héros épique et un générique. Le héros épique sera bien évidemment le Swarblord le maître des essaims. En plus de taper comme un gros ton puisqu'il peut relancer les blessures au corps à corps il a une petite capacité qui dit qu'à partir du moment où l'ol une fois par partie va utiliser un stratagème de type bataille je vais pouvoir lui dire ok mais la prochaine fois ça sera un pc supplémentaire. En deuxième héros générique cette fois-ci on va jouer un prince tyran volant avec comme amélioration le fait d'avoir un insensible à douleur à 5 et s'il commence un tour où il n'est pas au maximum de ses points de vie alors ça sera à 4+. En choix de ligne on va retrouver les excellentes gargouilles. Elles ont un petit peu pris en coup en point depuis la dernière data slate mais elles restent toujours super cool et je vais donc jouer trois packs de 10 qui me permettront d'aller certainement voler les objectifs. Ensuite en autre unité on va retrouver un biovore, c'est un gardien de but qu'on laisse chez soi qui permet de faire quelques petits tirs hors ligne de vue mais surtout si je choisis de ne pas tirer de faire popper une petite spormine, cette petite couille volante qui me permet tout simplement de mieux répondre aux objectifs ce que Ensuite, on va apporter un petit peu de tir et donc d'attrition à cette liste avec deux exocrines. Mi-attrition et très bon ton on va rajouter deux monstres avec deux malceptors. Basé sur le même châssis, on va avoir leur version de corps à corps avec un Aruspex. C'est celui qui a énormément de langues et d'herpès, c'est un peu chelou, mais je sais que LOL s'entend très bien avec. <laughs> je dis ça et il y a son gamin juste à côté. <laughs> Ensuite, on continue avec un énorme monstre, un Chouchou, le norme émissaire qui va me permettre de choisir un objectif au début de la partie et à partir du moment où j'ai mes petites fesses de Dessus, alors j'aurai contrôle d'objectif 15 et surtout un insensible à douleur à 5. Et on va terminer avec de l'infiltration, deux packs de trois bondisseurs Von Sryan. Dans mon armée de 2000 points de Shield Host, je vais jouer trois personnages Custodes. Le premier va être un Blade Champion avec la Veil Blade, avec l'optimisation qui lui donnera deux attaques en plus. Derrière, je vais jouer un Shield Captain à pied qui va accompagner un pack. De garde, et en l'occurrence, lui aura chasseur inlassable, le fait de pouvoir faire un mouvement si jamais Evie se rapproche un peu trop de moi. Et en dernier personnage, bien évidemment, Traian. <laughs> et en troisième et dernier personnage, L'inévitable, Traian, fils des Ascarouches. En infanterie, je vais jouer deux escouades de gardes de Custodian Guard, une escouade de 4 avec Vexilla, une escouade de 5 avec une Vexilla, plus deux petites unités de Prosecutor, les Sœurs du Silence, pour faire les objectifs sur la table. Pour accompagner tout ça, j'ai une petite escouade de 5 Veilleurs, avec la capacité, une fois par partie, d'avoir un Filno Painar 4. Une petite escouade de trois Venatari, qui vont être en frappe en profondeur, qui ont la particularité de pouvoir arriver en arrivée précipitée de manière gratuite. Derrière, on a un petit combo que j'ai envie d'essayer de 5 Sagittariums, donc les Custodians armés d'un bolter lourd dans la limousine, la Coronus. Et pour finir, deux alliés, agents de l'Imperium, déjà l'inévitable Calidus, qui va me permettre de pouvoir partir à la fin du tour des vies, d'aller scorer dans les angles ou potentiellement d'aller tuer un Biovore. Et petite excentricité, l'Inquisiteur Caria Draxus, qui va accompagner les Sagittariums dans leur limousine, avec comme capacité à la phase de commandement sur un 2 ⁇ de rendre inciblable l'unité qu'elle accompagne. Et surtout, allez les hawks, dédicace à Atlanta pour l'année dernière et cette année. Au niveau du match-up, la partie risque d'être assez difficile pour moi, puisque le tyrannide, il est très bon pour prendre la table, très bon pour marquer des objectifs primaires et secondaires. Maintenant, il n'est pas très bon en attrition. Or là, je vais jouer un custodes, qui est le tanking absolu, l'élite de l'élite de l'élite de l'Imperium. et je risque un petit peu de rebondir là-dessus. Mon souci, c'est que si je commence à exposer des ressources sur les objectifs, LOL va certainement s'en servir comme d'un tremplin pour pouvoir justement lui se projeter dessus, et là, ça va être difficile de le déloger. Et ça, salut les wargamers, c'est Yvi de French Web Show, votre chaîne de rapport de Et live peinture, c'est parti avec Laurent, on est maintenant déployé. faut savoir que j'ai gagné le jet de pour, cho pour choisir le bord de table. Je l'ai laissé la main à Laurent parce que celui-ci n'avait pas d'infiltration. Et il a choisi de se mettre là-bas. Il a aussi fait sa première pause. Ensuite, on était en alterné. Ensuite, faut aussi savoir que j'ai gagné le GD pour l'initiative. Je pense que là, pour le coup, on voulait tous les deux le perdre celui-là. Mais bon, pas grave. Au niveau en tout cas du scénario, on a utilisé le triptyque que Gamershop nous avait proposé pour les derniers championnats du monde d'Atlanta. Petit dédicace à ta casquette. Et on a eu un prendre et tenir au niveau des objectifs primaires. On va donc marquer à sa phase de commandement, à partir du round 2, de 5 points par objectif qu'on contrôle, jusqu'à un maximum de 15, donc de 3 objectifs. Ensuite, tu feras attention, il n'y a pas d'effet de jeu, mais il pleut, il pleut fortement. J'ai et... eu la casquette. J'ai vu ça. <laughs> Moi, ça va être très triste. Hein. <laughs> ça va peut-être aider même. <laughs> et derrière, on a recherché destruction au niveau du déploiement. C'est pour ça que vous pouvez voir ici le déploiement en quart de table. Pour commencer ici, j'avais infiltré sur ce quart où il n'y avait personne, Trois petits bondisseurs qui sont tout simplement complètement cachés, qui peuvent Aller prendre cet objectif et surtout si j'ai un tirage particulier tour 1, ça me permet directement d'avoir des unités sur 3 sur les 4 angles du champ de bataille pour quand même que commencer à emmagasiner pas mal de points avec ce genre de main. Ensuite, ici on a le soir blanc 24 heures du Mans, un premier Malceptor 24 heures du Mans, un petit pack de gargouilles ici complètement caché et vu leur mobilité, ils peuvent aller sur les deux objectifs qui sont ici. Où on trouve le prince ici volant, pareil, qui lui va plutôt être une espèce de menace qui va ch qui va jaillir comme ça au du champ de bataille. Le problème c'est que si je jaillis, il va pas faire grand chose quand même parce qu'en face des custos, autant vous dire que ça risque de rebondir. On a un deuxième Malceptor ici, on a et 5 points de victoire, le duel Canidus versus Biover. 5 points de victoire. Bon <laughs> et bah donc ici un gardien de but qui a un doigt de pied dans l'objectif, on a ici le Biover. Euh, le Biover le il est déjà positionné pour que si j'avais les angles du champ de bataille, justement, je puisse avec mon mouvement de 5 être entièrement à neuf de cet angle ici. Mais on a quand même déjà regardé et là il y a un petit socle qui pouvait passer. Je, voilà, je préférais en tout cas faire en sorte que seul ce genre de petit socle puisse passer. C'est enfin, parce que vous avez vu, il a, il a touché ma main. Il a il a hein. J'ai pas dit à quel gueule. tour J'ai <laughs> pas dit à quel tour Et ensuite, ici on retrouve les deux exocrines et le Norn. Le Norn, il est un peu plus de 10 de cet objectif, ça veut dire donc qu'il doit faire une advance s'il veut aller mettre les doigts de pied dessus. Et ici, on retrouve bah, les trois autres bondisseurs, encore une fois. Toute mon armée a été placée pour répondre à un maximum d'objectifs secondaires si j'avais la main, sans pour autant trop offrir de tremplin à Laurent si lui avait l'initiative. De mon côté, j'ai de ce côté-là 5 veilleurs, accompagnés du Blade Champion, qui pour rappel, une fois par partie, va me permettre de faire un advance et charge. Juste derrière, j'ai le pack de 5 Custodian Guard avec Troyan, fils des Ascarouches. La limousine, la Coronus avec 5 Sagittarium et Drixia, que, Draxus, Keria Draxus, l'inquisiteur. 4 Prosecutors, la petite Calidus qui se cache là-haut, prête à jumper. Et de ce côté-là, nous avons le deuxième pack de Custodian Guard avec le Blade Champion. En de... réserve stratégique, j'ai le deuxième pack de Prosecutors et en frappant pour fondeur, les trois Venatari. de mon côté, mais il y a un <laughs> Tout, 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 de, tout, mon <laughs> de mon côté, de mon côté j'ai gardé la Ruspex et deux packs de 10 gargouilles, puisque même quand ils arrivent de frappe en profondeur, ils arrivent à 9 pouces de toute figure une ennemie, mais ils ont le droit, après avoir tiré, de rebouger de 6 et ainsi pouvoir avoir des petits tricks pour voler les objectifs. C'est parti! Début du round 2, 1, début de mon tour 1. Au niveau déjà des points de commandement, Laurent est passé de 0 à 1, et moi je suis passé de 0 à 2, puisque je joue le Swarm Lord, le de maître des essaims, qui me dit que, à ma phase de commandement, je gagne un PC supplémentaire. <laughs> Ensuite, au niveau du tirage de cartes, j'ai tiré, sécurisé le No Man's Land, c'est-à-dire récupérer deux objectifs qu'il y a dans la No Man's Land et aussi derrière les lignes ennemies, mais un particulier pour un T1, mais il y a des petits trous. Encore une fois, je vous tire un nid, j'ai la chance d'avoir pour l'instant <laughs> un petit give-over, donc j'essaierai certainement de faire pop un petit sport mine chez lui. Donc, globalement, ce qui va se passer à ce tour au niveau de la phase de mouvement, on a l'émissaire ici qui va tout simplement aller se placer ici, il va pas aller sur l'objectif pour pas lui proposer de charge, mais bien réagir à ça. C'est les bondisseurs que je vais envoyer. Si au prochain tour j'ai les angles du champ de bataille, normalement il aura pas la pour pouvoir aller me bloquer, on va dire, m'a fait pas à 9 là-bas. Et donc c'est sans doute un pack de gargouilles que je mettrai sur cet angle-là. On a les deux exocrines qui vont se mettre juste ici et qui vont pouvoir bah, tirer sur le seule chose qu'ils voient, c'est-à-dire sur la limousine, le coronus. De ce côté-là, on va envoyer un pack de gargouilles qui va pouvoir bouger de 12. Au pire, il pourrait advance. Et derrière, ça va lui permettre, avec la première d'arriver ici, d'avoir un champ de vision sur cette unité-là et donc de pouvoir tirer. Et après avoir tiré, rebouger de 6. Le but, c'est qu'avec ces gargouilles, j'arrive à me positionner. Ici, je garde ce pack de bondisseurs toujours pour les angles du champ de bataille. Et je crois que ça sera une charge aux alentours de 9, euh, si jamais tu veux pouvoir les charger. De ce côté-là, on a le Malceptor qui va avancer avec le maître des essaims pour aller commencer à prendre position ici. Et on a le Malceptor qui gardera un petit champ de vision à 18 pouces de cette petite limousine, tout comme son frère. <laughs> Et voilà pour la phase de mouvement de mon tour C'est parti les amis, fin de ma phase de mouvement. J'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire, donc bah rien d'autre à dire. Pour l'instant Laurent n'a rien débloqué, j'ai pas claqué de PC, on va donc enchaîner avec la phase de tir. On va commencer tout simplement ici par là, C'est à dire que j'ai fait pop un petit Spormin en activant le tir de cette unité qui est sortie de l'objectif. La Calidus, elle rentre plus. Elle rentre plus? <laughs> elle rentre plus. Elle rentre sûr, plus. Sûr. Ah, tu voulais pas du défi, hein? Non, pas encore. <laughs> Moi aussi, je choisis le tour. Et il y a par contre le prince qui est venu prendre son objectif. Derrière le Spormin, donc il s'est mis ici. Il va l'empêcher de faire des euh, advances à 6 autour de lui. Donc globalement, soit il va se mettre à 6 de lui pour pouvoir bah, justement faire un mouvement libre. Et donc il sera une charge à 6 à lui. Ou alors il pourra le faire par là, mais il sera à plus de 10, voire même 11 ouais. maintenant, des bondisseurs. Ça me permet en fait de garder cette ressource, un tour de plus, même si s'il va se passer certainement, en tout cas s'il décide d'envoyer des ressources de ce côté-là, s'il va se servir du Sporting comme un tremplin, il va me voler l'objectif, mais au moins en termes de ressources d'attrition, j'échange rien. Voilà, on va, on va faire ça. Voilà. On va enchaîner donc ensuite avec les autres tirs. On va commencer tout simplement par lui qui va tout mettre dans la limousine, puisque les deux sont à 36 pouces. Je vais claquer un PC. Puisqu'en fait, en gros, je peux choisir une, voire deux unités qui sont apportées synapse. Le norme est synapse pour que je puisse avoir un protocole d'invasion supplémentaire. Donc, je vous l'avais dit au début de la partie, j'avais choisi le fait d'être touche soutenue à partir du moment où je cible de l'infanterie. Et bien, ces deux petites unités vont être touche fatale à partir du moment où je cible un véhicule, tout comme justement cette petite limo. Donc, des 6 plus 3 tirs, et ça sera 7. C'est sur du 3+, il y a un 6 qui sera une blessure auto. Force 8. Endurance 12. À coup même À coup même Sur du 5 et écoute, ça, en fait, ça va t'en faire 3. 3. Donc PA-3, ma 2 ⁇ passe anyway en 1 ⁇ je suis dans le couvert. Mais c'est 4 ⁇ parce qu'en l'occurrence, le Coronus, n'a pas de 4 plus invus. Ah ouais ⁇ c'est une 5 ⁇ vue. Donc, on est sur du 4 ⁇ Eh bien, <laughs> bah, splendide. C'est sympa, ce j'ai... Ouais, j'aime bien. <laughs> Ok On va faire la même chose avec lui. Comme tu as été touché par un exocrine, j'ai, j'ai reroll des 1 à la touche, avec tout le reste qui va tirer. C'est splendide. Ce on va donc faire ça. Je j'aligne toutes les planètes, là. J'aligne toutes les planètes. <laughs> de... Et alors, mais il y a deux planètes. Il y a Moi, deux vois, <laughs> vois, <j 'ai... rire> Donc lui, il va tirer la même chose des 6 plus 3. Ça fera 6. C'est sur du 3, relance des 1. Ça tombe bien. Il n'y a pas de 1, mais il n'y a pas de 6 non plus. Mais il y a un 2. Oui. Et <laughs> je vais te placer sur du 5. Et, et une seule, s'il te plaît. Donc pareil, sauvegarde à 4 pour 3 dégâts. 4 plus, et ce sera 3 dégâts. Je passe à 13. Ça va être <laughs> long. Pas, pas obligatoirement, ça, ça dépend. Lui, il va faire la même chose, il va faire D6 plus 3 tirs. Et ça sera oh. Oh, 9 tirs. C'est parti, c'est sur du 3, relance D1, puisque c'est la même cible que l'exocrine. Ah là, t'as du 1. Hein. C'est vrai. Et il n'y a pas de 2, t'as <laughs> vu Et par contre, il n'y a pas de 6. Mais là, je m'en fiche, puisque lui n'était pas à portée, donc à portée de synapse, donc il n'était pas ciblé par ce stratagème. Et je suis force 10, toujours endurance 12, c'est donc sur du 5. Écoute, malheureusement, il y en a qu'un. CPA-2, cette fois-ci, pour 3 dégâts. Donc là, sauvegarde à 3. 3+. C'est bon. Mmh, okay. Ça, c'est beau. Ça, c'est <laughs> bon. du style. Ça, c'est du style. Ensuite, <laughs> que... <laughs> Je lui ai dit, par contre, là, claque un stratagème, ça va être chaud. Il a dit, ah ouais, j'ai fait, ouais, il y a 7 gargouilles. <laughs> c'est parti, 7 gargouilles, ça fait 7 tirs à 4. J'ai pas de reroll D1 parce que là je, je cible sur les Custodian Guard qui sont juste ici. Derrière, faites très attention, je suis force 5. Donc ce sera sur du 5 Où oh, il y en a deux. Deux. Père de la honte. Bah père ton ami. PA 0. Euh, c'est de la salive mec. Donc c'est comme quand je te parle comme ça. Ah, <laughs> <'est>... ah ouais. une <laughs> ah, plus pas de PV de la honte. Yes, j'ai tiré avec mes gargouilles, j'ai donc le droit de faire un mouvement de 6 et je vais faire un petit cordon pour me mettre le plus loin possible sur cet objectif. Ouais, mets-toi le plus loin possible. <laughs> je te le conseille. Ces actions de fou, de folie. Sonne la fin de mon de mon tour 1. J'ai réussi à en mettre 7 sur cet objectif tout en étant à plus de 14 de lui pour que ça soit une charge à 8. Malheureusement, j'en mets que 7 sur l'objectif, ça fait contrôle d'objectif 14. Lui, s'il met les 5 custodesses dessus, sera à 15. Mais au moins, ça lui nécessite de réussir une charge à 8 ou de tenter un jet d'advance pour que tout le monde soit sur l'objectif. On va voir ça. Donc, en tout cas, je contrôle un objectif ici, un objectif là. J'en ai donc deux dans le No Man's Land plus celui chez moi. Mais donc, je vais réussir à marquer, sécuriser le No Man's Land pour 5 points de victoire. Malheureusement, j'étais un petit peu optimiste tout à l'heure par rapport à mon Biovore qui ne peut mettre un spawning qu'à 48 pouces. Et j'arrivais pas à dépasser, être à plus de 9 d'unités ennemies directement chez lui. Je vais donc défausser, mettre des unités derrière les lignes ennemies. Je vais uniquement marquer 5 points de sécuriser le No Man's Land. Par contre, je gagnais un petit PC j'ai donc passé de 1 à 2 à la fin de mon tour et donc de 2 à 3 au tour de Laurent Début de mon tour, hein, j'ai tiré sur tous les fronts et purifié les objectifs. Yes, il va pouvoir faire une action sur les objectifs qu'il contrôle dans le No Man's Land. Au moment où il fait l'action, il n'a pas besoin de les contrôler, mais il doit les contrôler à la fin du tour. S'il le fait sur un objectif, ça sera 3 points. Sur deux, ça sera 5. Et pareil sur engagement sur tous les fronts, s'il a des unités entièrement dans chaque carte de table, ça sera 5 points de victoire. Et s'il ne fait que sur 3 sur les 4 cartes de table, alors ça sera 3 points de victoire. Ensuite, tu passes de 1 à 2 PC et on enchaîne avec la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu veux faire alors Alors bah, j'ai deux, deux, deux cartes qui m'obligent à, à bouger un petit peu. Puis il y a quelques menaces, il faut que j'arrive à reprendre les objectifs. Déjà la Calidus à la fin du tour de Vivi est repartie pour revenir. C'est la particularité, elle peut faire ça dès le terrain. Elle va sûrement revenir pour aller me faire sur tous les fronts, donc j'imagine un peu près par là. Ensuite, il y a les gargouilles, je pense que je vais essayer de me concentrer un peu sur ce flanc-là, même si elle est Swarmlord. Celui-là, il y a beaucoup trop de monstres à mon goût, je pense que je vais aller vers le milieu avec la Coronus qui a l'air d'être plutôt résistante, et le pack qui est là va se diriger pour aller éliminer le maximum de gargouilles et potentiellement s'octroyer une charge. La question, c'est est-ce que tu advances ou est-ce que tu vas justement tenter les C'est le débat. C'est le débat. J'ai suffisamment. Est-ce que vous avez pris une décision dans ta tête? Non, non. Dans ma tête. <laughs> non, pas y être non, Parce que <laughs> je pense que j'ai un peu de saturation de tir qui pourrait potentiellement me permettre à éliminer pas mal de gargouilles. Mais j'avoue que la charge à 8. Elle titille, Elle titille un peu. Fin de ma phase de bouffe. Donc j'ai fait à peu près ce que j'avais dit. Gros pack sur l'objectif du milieu charge à 8. Ah, il n'a pas advance. On aime non, ça. Non, j'ai pas advance. J'ai lancé Cleanse avec le pack de Treyan Valois. Donc, j'ai, par contre, j'ai débarqué les Sagittariums de telle manière à avoir tous une ligne de vue. Sur le My alors euh, Laurent, je te propose un truc et on arrête la game ici. Ça, ça devient ton objectif. Je ne veux pas. <laughs> non, et -là, je veux le prendre. Celui-là, c'est celui celui le tien. Pour l'instant. <laughs> Pour l'instant, monsieur. <laughs> ok, on va donc enchaîner ici avec la phase de tir. On va juste rappeler que tu fais uniquement l'action sur les objectifs de No sur cet objectif grâce à l'unité de Trajan qui a mis un doigt de pied dedans et qui n'a pas d'advance d'ailleurs. Exactement, il n'a pas d'advance même si toutes mes armes sont à que ce soit les épées ou les lances. On va faire tirer ce pack-là. Sur Le Malceptor Le Malceptor. Okay, ok, je vais utiliser avoir des un PC cières. et en fait ce qui se passe c'est que là il est à côté de mon prince pile poil à 12 pour pouvoir justement bénéficier d'un stratagème comme un capitaine Space Marine, à maître de chapitre Space Marine pour 0 PC. Il doit donc claquer euh, un insensible à douleur à 6, à 5 parce que lui-même est synapse, mais pour 0 PC grâce au fait qu'il est à 12 pouces du prince. C'est trop fort c'est pour ça que Tyranny est des top méta. <laughs> Début de phase de tir, j'active les veilleurs qui sont tous à portée pour tirer sur le petit garçon. Ok, il oh, est, est donc un peu... insensible à 5. Ouais, ouais, mais voilà, c'est force 4, hein. calme-toi. J'ai la pression d'être toi. <laughs> toi qui mais moi qui tire sur toi, putain, vas-y. Hop, euh, ça touche à 2 puisque c'était un peu ben oui. hey, hey, hey. Et par contre, force 4, Oula. ou a au moins 10 ou 11, donc c'est sur du 6. Eh bien, tu n'auras rien. Mais on s'en fiche, c'était pas ça le rigolo. Ce qui est rigolo, c'est qu'on va faire tirer le Coronus. Attends, ça fait pas que faire de la musique. Non, ça fait, pas, ça fait pas que Limousine. <laughs> Il a 8 tirs le Coronus avec son canon au-dessus. Donc sur du 2, hop. On est force 5. Reroll, twin linked. Et on cherche les 6 pour faire la devastating wound. 2 pour l'instant. Twin linked. Tu en as deux. Deux devastating. C'est les gars Dégâts 1. Ok, insensible à 5. Oh, beau gosse! Ça va échanger! J'aime ce jeu quand ça sert à rien. Donc autant vous dire que, on a rien fait un tour entier. regarde-moi ça. Regarde-moi ce plan-là. Là, t'as l'impression d'être dans une brochure de bagnole. Le Last bolter, 3 tirs sustain. Les 3 passes, Force 6, donc ce sera aussi sur du 5. Une PA-1 pour un dommage. Sauvegarde à 2 qui passe à 3. Je suis pas couvert. Non. Dégâts 1. Dégâts 1, à 5. Et non, il perd un point de vie. Il a très la honte. Aha. Ensuite, on va faire tirer les Sagittariums. Les Sagittariums. Comme ils viennent de débarquer du Coronus, ils ont Fire Support, ils pourront reroll les Wounds. Et je vais claquer. Leur capacité unique par bataille, qui va faire qu'ils vont pouvoir potentiellement faire des Devastating Wounds. T'as besoin contre des gargouilles C'est contre le Macepto. Ah pardon, excuse-moi, mais que je de une à l'heure. Ok, je me disais, putain, Scorsese et tout. Non, et non. Ok, c'est sur lui, très bien. Donc, 3 fois 5 tirs, 15 tirs. Hop, j'enlève les 1. Et on est force 5. Sustain it. 2D en plus. Donc touche soutenu 1. Hein force 5, donc sur du 6. Tous les 6 seront devastating wound. Et je suis reroll puisque je viens de débarquer du véhicule. Ok. Ça va piquer Ça va piquer potentiellement. Pour le reroll parce que... Fire support, je viens de débarquer. Du ah, véhicule non, je... qui t'a tiré dessus. Et ben tu en je as. Jean-Claude. Tu te recables. Tu en as 6 C'est Devastating, ça les sauvegardes normales et les sauvegardes invulnérables. Ça va donc être me faire insensible à la douleur à 5+. Je vais jeter ça deux fois, parce que c'est dégâts 2. Pour l'instant, on est à 2, 4, 5 points de vie. 6, 7, 8 points de vie. Il en avait 13, il nous reste 5. On passe à la phase de charge. Alors, tu as deux charges. Une charge à 9 ici, une charge à 8 ici. Tu veux commencer par quoi On va commencer par celle-ci, parce que l'autre, c'est une capacité spéciale. Si je n'ai pas la possibilité de la reroll... Je ne suis pas obligé de la déclarer. Yes, je vais claquer un PC pour te faire une grenade qui te fait moins 2 à la charge. Non, c'est pas vrai. Je voulais être Godchamp, en fait, il n'existe pas ce stratagème. C'était pour te faire Parce que là, on est sur du gros Godchamp de cette Voilà. Yes. J'ai gagné Charge à 8 pour le pack avec le Capitaine. 9 c'est la chatte. C'est là où je veux le 9. Ensuite Je déclare la capacité unique du Blade Champion, Advanced Charge. On est sur une charge à 9. Ça, ça s'appelle Pampa, regarde. C'est l'inverse C'est l'inverse euh, En fait, j'ai inversé. Tu gagnes un ou pas Bien sûr Allez, il lui reste un PC à lol Eh ben non, pas du tout L'inverse aurait été plus embêtante. Oh, Début de phase de combat, je vais choisir mes katas. Euh, c'est toi. Le capitaine a la particularité de pouvoir en choisir deux, donc je vais choisir Dakatarai. Dakatarai, c'est ce, c'est une hit. Donc touche du 1, exactement, front 2. Et le deuxième, c'est que je vais choisir. Captaris, Taris, qui va en l'occurrence te mettre moins 1 pour me toucher s'il reste des choses. Ah, sûr, parce que je pensais vraiment les sortir avec les gargouilles. Je. je in, ça change toutes les choses Dans le doute, tu préfères. Je vais faire voilà. une pause où je recalcule tout. <laughs> je vais taper avec mes lances pour commencer. C'est sûr du 2. Et on rappelle qu'il y a un 6 si, si si Ça te fait une touche supplémentaire. Il n'y a pas de 1. C'est donc une full réussite. De tu, tu es 3. force 7 endurance. Comme j'étais si sur un objectif, j'avais reroll. Force 7. De sur plus. Du 3. De plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mort oui. Et à moins 3 de dommage C'est un peu overkill quand même, parce qu'il n'avait <laughs> pas tapé avec les épées. Hein. Non, et il y avait aussi le captain. <laughs> ben je vais faire un pou -pou, pou, 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 Fin de mon tour, j'ai marqué 3 points pour avoir purifié l'objectif central avec le groupe de Trajan Valowitz. Et j'ai marqué 3 points pour avoir 3 quarts de table. 1, 2 et 3. En l'occurrence avec la petite calédoise. Je marque donc 6 points sur ce premier tour, en secondaire. Début du round 2, de début de mon tour 2. Au niveau des points de commandement, j'en regagne 2, puisque j'ai toujours le maître des essais qui est en vie. Je vais donc passer de 3 à 5. Au niveau du tirage de cartes, j'ai eu défendre le bastion. C'est-à-dire que si au prochain tour de Laurent, mon objectif chez moi, il est toujours à moi, alors je marquerai 3 points de victoire. Ensuite, j'ai eu capturer l'avant-poste ennemi, c'est-à-dire 8 points de victoire si j'arrive à voler son objectif. On a regardé en faisant un petit peu de triangulation, c'est-à-dire en arrivant à 9 avec des gargouilles et potentiellement en faisant un mouvement de droit. Il a bien fait cette voie, je ne vais pas être capable de le faire. J'ai donc claqué un PC, passant de 5 à 4. Stratégie que je peux. Faire qu'une fois par game, c'est le fait de défausser cette carte, donc de capturer l'avant-poste ennemi. Et derrière, j'ai eu pas de prisonnier, le fait de marquer deux points de victoire par unité que je détruis. Si j'en fais une, je serais déjà heureux contre un custo, on, on va pas se mentir. Fin de phase de commandement, derrière ce qui se passe, c'est que je contrôle un objectif ici, un objectif là. J'ai donc marqué 10 points de primaire. Phase de mouvement. Il a des combos qui fait que si jamais je bouge à 9 de lui, il est capable de bouger flat de 6. Et j'ai l'habitude puisque je joue chevalier gris. Donc là ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais oublier cet objectif. Ce qui va se passer, c'est que je vais tenter de m'y rapprocher, mais pas en phase de mouvement. Comme ça, il n'a pas le droit de claquer son, son redéploiement. Donc ce qui va se passer, c'est que mes gargouilles vont arriver à 9 de lui ici. Et comme tout à l'heure... Je vais pouvoir rebouger de 6 derrière. On a déjà vérifié. Comme, justement, je vais bouger, il y un delta de, j'arrive à 9 de toit, je bouge de 6, je serai à 3 pouces de toit, En regardant, en mettant 3 pouces, je vais bien être capable de mettre 10 gargouilles, soit 20 dossiers, pour te reprendre cet objectif et ainsi l'empêcher de marquer des primaires sur celui-ci et faire en sorte qu'il ait que le central. C'est ton objectif, là. C'est le mien. Mais je pense qu'on est tous d'accord sur l'internet. Il ne sera plus jamais à moi de ma vie. Je sais pas. Là, je vais juste l'embêter, embêter, lui envoyer des trucs à manger tous les tours pour l'empêcher de marquer des primaires, et ainsi de suite. On va commencer plus ou un petit peu l'attrition sur les Warden ici, tout simplement pour me préserver un petit peu de l'avancée qu'il va avoir sur la table. Et donc, on va tout mettre sur eux. Soit au corps à corps, soit au tir. Il va devoir faire un choix. Une fois par partie, il peut avoir un insensible à douleur à 4 pendant une phase. Donc, en fait, en gros, ce qui va se passer, c'est que eux, ils vont aller se rapprocher ici. Je vais vraiment verrouiller chez moi pour pas qu'ils puissent rentrer. À 9 pouces de toute unité ennemie. Derrière on a les bondisseurs qui vont quand même en fait faire leur mouvement de 10 pour aller assassiner la calidus. C'est peut-être un petit peu trop tôt pour faire ben, justement un assassinat, mais au moins derrière en termes de lecture, il a claqué son advance et charges ici. Il a pu ce qu'on appelle le blink de la calidus. Et donc ça fait que je vais avoir un petit peu plus de facilité normalement à contrôler ses mouvements. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. Là ben, je me suis mis ici, je suis à plus de 9, j'ai bien fait attention à ne pas bouger à 9 de E et ainsi de suite. Le Malceptor et ses 5 points de vie a quand même avancé. Je vais essayer en tout cas au moins d'aller faire une dernière euh, vague d on va dire pour l'honneur, soit sur eux, soit sur lui. J'ai longtemps hésité au début, je l'avais mis de façon défensive et après, finalement, je me suis dit, je vais tellement de tirs dans les warden qu'il y a moyen quand même que je puisse charger avec mon prince et le forcer à mettre des ressources dessus, justement, pour le gérer au corps à corps. Donc, il est tout prêt, et hein. Ça va être une petite charge à 3. Il est pile poil à 12 de cette unité ici pour potentiellement lui faire utiliser un stratagème de bataille pour 0 PC. On a ici le biovore qui revient un deux sur l'objectif mais qui bloque toujours ici parce que normalement, il y aura plus le socle de la canidus ici. Inchallah. Sa sauf si je rate la charge à 3 avec les petits bondisseurs <laughs> qui sont juste là-bas. Globalement, tout le monde a apporté et de synapses et des objectifs, donc les devoirs sont bien faits. J'avais aussi attention à bien verrouiller, notamment avec le sport magnifique qui a bougé. 3. <laughs> Personne ne <m> m'a vu. <laughs> voilà, qu euh, qui s'est mis juste ici pour encore une fois repousser les fèpes et ainsi de suite. Et Laurent a déclaré à la fin de ma phase de mouvement une arrivée précipitée pour zéro point de co, puisque c'est la capacité. Ici des alarus Non, non. Euh, des Venatari. Des Venatari, merci beaucoup, qui sont juste ici. Et mes bondisseurs, ils ont pas bougé. Parce que si je bougeais, je le faisais se redéplacer <laughs> ici, autant vous dire qu'on est resté immobile. En fait, j'allais potentiellement, avec mon mouvement de 6 du chasseur à la sable, bloquer ce que vous voulez faire et vie pour reprendre l'objectif. Yes, puisqu'en fait son stratagème s'utilise à la phase de mouvement. Donc moi ce qui se passe c'est qu'à la phase de mouvement je suis à plus neuf, 9 et c'est à la phase de tir que je vais pouvoir bouger et donc en fait tous ces mécanismes-là permettent de contrer certains justement euh, mécanismes. Ensuite, début de la phase de tir, je vais déclarer que je vais claquer deux points de commandement et ouais les mecs Sur cette unité ici, comme en plus de ça ils sont à portée synapse, ça ne sera pas une mais bien deux unités et ces deux unités vont crit sur du 5 et pas sur du 6 pour justement faire des touches soutenues. Je te le déclarerai après. Si je l'ai mis à 12 de lui, c'est que je vais faire la même chose pour 0 PC cette fois-ci. Je passe donc de 4 à 2 PC. Moi, de mon côté, en réaction, comme je sens que les Wardens vont reprendre chi je vais claquer 2 PC pour passer à moins un dommage sur mon pack d'infanterie, en l'occurrence sur le pack de Wardens Globalement, je vais les tirer dessus qu'avec des dégâts de 3. Ils ont 3 points de vie. C'était parfait. Et ben là, il va me falloir une blessure supplémentaire par Custodes pour ça. On rappelle que tu pourras aussi déclarer d'utiliser ton insensible à douleur à 4 une fois par partie pendant toute une phase. Est-ce que tu veux le claquer ou pas En fait, j'ai aussi un Maléceptor et un Prince Tyradite potentiellement qui vont chargé j'ai envie de croire j'ai envie de croire que je vais tanker les tirs à la 4 plus 1 à vue et que donc je vais utiliser film no pain autour d'après est-ce une erreur nous allons voir c'est parti on va donc ici tirer avec le deuxième parce que c'est mieux lui il a tiré <laughs> des 6 plus 3 vous êtes combien On est 6 à ah, bah 6 plus 4 oula ça fera 9 ça touche à 3 et sur chaque 5-6 c'est une touche en plus joli ben, ça tombe bien, j'ai okay. 3, What? 5, 6, 3 ratés, ben, tout touche. Et derrière, je vais être force 8, endurance 6, c'est bien ça Endurance 6, mais comme j'ai un personnage, tu ne pourras jamais blesser sur plus que 4, donc c'est 4. 6. Ça tombe bien, il n'y a pas de 3, alors. <rire> <rire> Par contre, il y a plein de 6, heureusement que je n'ai pas touché comme ça. Hein. 6. PA-3, dégâts 3. Tu peux te dire, mais dis donc. Non, je ne veux pas, d'accord. PA-3, dégâts 3. En l'occurrence, je ne suis pas dans le couvert, donc ce sera sur ma 4 plus 1 vu. Et tu as un mort et demi. C'est bien c'est bien déjà <laughs> Moi je suis un de content hein. Poop. Un mort et deux pelles, il en reste un. 1, 1. Le Swarmlord il a un petit lance-flamme à 18 pouces, des 6 plus 3 tirs. Eh bien écoute, ça nous en fera 6 et derrière ça va être force 5, endurance plus, euh, bah je te blesse qu'à 5, <laughs> à peu près. C'est PA-1 pour 2 dégâts. Je suis à couvert, donc ta PA-1 est ignorée, donc ce sera sur du 2+. Ça tanque. Il est cassé dans le 2. Ah putain, j'aurais kiffé, il y aurait un débat. Il y aurait eu un débat alors. Il n'y aurait pas eu de débat, il n'y a jamais de débat. Tu veux que ce soit cassé, c'est cassé. Il <laughs> n'y a pas de souci. C'est parti, le deuxième exocrine, il va tirer là-dessus. Vous êtes 5, donc j'ai toujours mon plus 1. C'est D6 plus 4. Oh Tu l'as vu Non, ou je l'ai pas eu. 7. <laughs> c'est parti, 7 tirs sur du 3, relance D1 parce qu'un autre exocrine a déjà tiré dessus. Et en plus de ça, je précise que je crie sur du 5. Joli. 3 crit, 2 ratés, plus 1. Force 8, c'est toujours sur du 3, mais j'ai moins 1 pour blesser parce que ma force supérieure, ben c'est chiant les Custo. C'est parti, ça blesse à 4. C'est pas très beau. 4 sauvegardes, p moins 3 pour 3 dégâts qui passent à 2, bien sûr. Donc 4. Ouf Celui qui était mort, et un autre mort. Celui qui était déjà blessé. <laughs> Oula, il il est bien pas. mort, lui. Il est bien mort. Et un autre mort. C'est parti, le nord il va tirer dessus, il va donc faire 2 tirs sur du 2. Relance D1. Relance, Relance D1. Des des ça en fait 2. Force 12, endurance 5. Endurance 6. Endurance 6 c'est sûr du 2 qui passe à 3. Exactement. Splendide, ça fait 3, non Reroll des 1 parce que t'es toi-même, non Ah non. C'est pas tout unique ben... <laughs> C'est parti, on a ce maléceptor qui va tirer dessus, c'est parti. Là par contre, ça fait des 6 plus 3. Oh, c'est parti pour 9 tirs qui touchent à 3. Relance des 1. Et lui, crit à 5, puisqu'il a 12 pouces de lui et que j'avais utilisé le stratagème pour 0 PC. D'accord. Relance des 1. J'ai un raté plus croîtrie, ça me fait donc plus de touches. Force 10, endurance 6. C'est sur du 3 qui passe à 4. J'ai en l'occurrence déclaré que je prends sur lui puisqu'il est à couvert yes juste pour expliquer parce que c'est un cas assez intéressant en gros là le cordon est maintenu par le personnage ces deux-là sont à couvert mais quand lui va mourir les points de vie vont automatiquement aller sur lui donc ça sera couvert puis non couvert puis couvert c'est facile 40 ça. <laughs> <laughs> donc on va les faire deux par deux et en l'occurrence c'est à 3+. plus deux PV il lui en reste un donc maintenant je vais les faire une par une ça tank et ben non il est mort 2 à 4. Euh, ben il et va me reste rester 1. Reste et donc il me reste ce petit mallet le et Il a moins 1 pour toucher parce qu'il s'est fait pilonner tout à l'heure par les bolteurs lourds là-bas des. Euh... Des sagitarons. Ah, ok, j'ai cru que c'était les... les. Prosecco <rire> <rire> Donc ici, je vais tirer sur eux. C'est parti, des 6 plus 3. Et ça fera 8. Ça touche à 3, moins 1, ça touche à 4. Relance D1 parce que j'ai déjà tiré sur ce pack. J'ai une touche critique. Hop Les E3 sont bons. Ah, Excusez-moi. Ah, tu as vu? <laughs> et derrière, je te blesse toujours à 4. 4. Joli. Je pense qu'il va mourir. Et ben, il meurt. Et le garçon prend 2 PV. C'est très bien comme ça, Laurent, parce que maintenant, il n'a plus la capacité d'avoir un finopel à 4. Non, <laughs> je perds de pas l'utiliser. <laughs> je me suis demandé, on sait, maintenant on a eu sa réponse. <laughs> Laurent, quand tu peux tout claquer, c'est tout. C'est en plus <laughs> ça s'est joué à un PV. Ouais, vraiment ouais, le... ouais mais enfin non. le PV à 4, mais c'était ouais, pas bien rentable. Sûr, mais bon. It was a stupidity. I will know. C'est parti, certes, euh, faites attention ça risque d'être très violent, baissez la luminosité de vos écrans. <laughs> c'est les gargouilles qui violent. <laughs> c'est parti j'en ai sept qui sont à portée de tir, enfin en champ, en champ de vision pour pouvoir tirer sur eux. J'en ai pas vraiment besoin, c'est surtout parce que je dois tirer pour bouger de 6. Sur du 4. Pas de touche soutenu. <laughs> Et derrière je vais me laisser euh, sur du 5. Oh, oh là là Un oh. Oh. PV de la honte. Oh Tu me mets sur qui J'hésite. Mm, sur une épée. <laughs> Et derrière je vais pouvoir bouger de 6 pour lui voler entre guillemets au moins non temporairement l'objectif. C'est parti les amis, on passe ensuite à la phase de charge. Ce qui va se passer, c'est que je vais envoyer d'abord les bondisseurs puisque la charge est entre guillemets un peu plus importante. C'est une charge à 3. Charge à 3. Écoute, j'ai fait 9. Je passe. Ce, ce qui va se passer, c'est que je vais aller faire un tour là-bas, je vais regarder ouais, une affiche que vais je bien. Bien, regarder et je charge après ici. <laughs> et ici charge à 5, c'est bien ça Exactement. Allez. Double 1. Je vais d'arrière roll, je suis à 1 PC. Et 4, on va vérifier. T'as ah dit bah. que t'étais pile 5, ah mais pour ouais. moi, cest à dire que je suis à moins de 5. T'es à plus de 5. Oh poil de plus, de 5. On on poil de plus de 5. On vérifie. Non, Laurent, on va vérifier. Laurent Ah, je vais te dire mon gars, là, la caméra, elle bien. tourne allez, non. Allez, oh, bah. Attends oh, Oui, oui t'as raison. Non, Les gars, il y a des bas, il y a des bas <laughs> sur cette bas. charge. Il y a des bas sur cette charge. On va regarder tout de suite ce qui va se passer avec la petite zénithale et puis nous, un petit à côté. Si cette réglette métallique touche la réglette ou le socle... La charge elle passe parce que ça veut dire que je suis à 5 donc moins de 5. Il a l'air confiant Laurent, <laughs> il a l'air confiant, <laughs> il regarde sous sa casquette en attends moment. attends je retire le dé pour être sûr que Tu l'as bougé non il a bougé, ça il a bougé. bougé, il a bougé. Tout le il, il a Charter attends dé. attends c'est bon on va vérifier par rapport à l'objectif regarde l'objectif il est là. Voilà. On est d'accord bah, ou pas ouais. Je pense même que l'objectif n'est pas centré. Regardez, il y a le contour ici. Non, non, ça je suis très sérieux. Je suis très sérieux dans ce que je dis parce je que l'objectif, il est centré comme ça. Mais là, là tout de suite, là tout de suite. Non. non et plus sérieusement, l'objectif t'es pas placé. Vous voulez, mais je m'en fous. C'était la position du gars par eh, contre. Eh bah, ok. Bon, regarde. T'es prêt C'est parti. C'est parti, Laurent. T'es prêt Ah bah là tout d'un coup, ouais, je suis moins confiant. Mais... Non, je pense qu'il passe pas. hein. Je touche la réglette. Oh sa mère. Oh non. Oh non. Oh non oh, non, oh, non, oh, non, oh, non non. Elle ne passe même pas au trichant, euh, Même Mais oui, mon trichant elle passe trichant. pas putain. Plus sérieusement, ça m'embête parce qu'en fait, en gros, ça me faisait une unité détruite si je pétais le personnage, ça me faisait deux unités détruites. Et ben bah, écoute, malheureusement, la charge ne passe pas mon lol. Et ici, bon bah, écoutez, tant pis, je vais faire une double charge sur le véhicule et sur le gars. Et là, ça passe. Oh ouais, je, crois que je tu peux es... pas lui donner Attends, un et avec tu moins tu un. Tu veux qu'on vérifie <laughs> On va commencer de ce côté-là les gars. Je vais utiliser le Malceptor avec son profil de balayage. C'est parti, je vais donc faire 6 attaques qui vont être force 7, PA-1, dégâts 2, mais j'ai de la touche soutenue, donc il me faut des dés pour ça. Euh, Est-ce que j'ai toujours moins 1 pour être touché D'accord, je suis toujours pilonné. C'est parti, c'est sûr du 4. Écoute, j'ai au moins un 6. Et derrière, je vais blesser force 7, endurance 6. C'est sûr du 3. Il n'est plus dans l'unité, il n'a donc plus le moins 1 pour être blessé. Et ça va t'en faire 3 pour okay. 2 dégâts. 3 pour 2 dégâts, et à moins 1. Est-ce que tu voudrais le plus relancer plus potentiellement Exactement. avec son PC Exactement, Je donc tu vais lui faire un peu de temps. terre, le dit Je l'ai foulé. Je l'ai foulé, l'or. A 3, Tank. Tank. Il ne peut plus mourir. Tank et Elle est magnifique, l'or. Elle est magnifique. À moi <laughs> Mais il y a peut-être qu'elle est juste avant. <laughs> Vas-y, mais non <laughs> On active le Blade Champion avec la Veil Blade, donc ça me fait deux attaques supplémentaires. Je vais utiliser le profil qui fait des Devastating Wounds, en l'occurrence, puisque... De toute manière, tu as rendu 11 Donc ça va faire 7 attaques sur les 2+, et je vais utiliser hmm, le Kata... Rendax Euh, non, Dakatarai, les 6 vont proquer. Pourquoi Parce que comme j'utilise Devastating Wounds, je vais essayer de maximiser le nombre de touches. En l'occurrence, une supplémentaire... Et maintenant, on va chercher les 6. Les 5 blesse aussi. Tu vois, 2-6. Oh, Et 1-5. Enfin. CPA-3-3. 3. Ici, je vais taper sur mon invulnérable à 4. Ça tanque, et derrière c'était blessure dévastatrice, c'est-à-dire 3 PV à chaque fois. Eh bah ben écoute, j'ai pas voulu claquer le Finopain A5 parce que c'est pas stat, donc bah tu vas réussir à me sortir mon Elceptor, et ça, ça me fait très mal au cœur, parce que c'était pas du tout attendu. Et je donc, est-ce est qu'il explose quand même et Ça explose, ces saloperies Bah c'est des véhicules. <laughs> bah, ça remet partout, je sais pas ça met des dommages, mais ça remet partout En l'occurrence, ici, il n'explose pas, et ça fait poupe. Il a Fight First, on fait une petite pause, il va taper avant moi, c'est parti 5 attaques. L'étal hit, précision, mais précision, on s'en fiche. Ça va être sur du 2. Plus. Tout passe. Force. Force 5. En en plus. Endurance 5. Sur du 4, plus. tu en as ah putain, 4 qui passent. Laurent CPA tu vas arrêter tout de suite. De dommage. CPA à moins 4. 2 dégâts. Bah, ma sauvegarde à 4 passe à 8. Vénérable ouais, ouais, à peu un peu ben... 6. Je vais en sauver une, c'est combien de dégâts Deux dommages. Écoute, j'ai trois points de vie, ça va me faire un mort et demi. C'est parti, ici ils sont plus que deux, mais c'est quand même 12 attaques sur du 3 et sur chaque 6, c'est deux touches. Mmh. Et derrière, je suis force 5, c'est sur du 3. Mmh, c'est ma 4 plus 1 vu ou ma 4 plus tout court En l'occurrence, ma 4 plus 1 vu puisque tu as PA moins 1. Vas-y. Combien de dommages Un dommage. J'ai 4 PV, donc ça fait pouf! Elle meurt. Pile poil, heureusement. Ah ouais, pile poil, hein. C'est mardi les amis. Fin de mon tour. Bah, malheureusement, il s'est passé des choses. Heureusement que l'assassin est morte, là, pour le coup. Ça, ouais. aurait pu, ça aurait pu être pire, pour le coup, au PV près. Et le fait qu'il me sorte mon Malceptor, ça me fait mal au cœur. Ça n'était pas censé arriver, mais c'est pas grave. Donc, bah, je vais ne détruire que deux et pas trois unités. Et, euh, bah, malheureusement, je vais pas aussi contester celui central avec, la avec le fait d'avoir raté ma charge avec mon prince tyran. Le fait est comme que je vais marquer quatre points pour pas de prisonniers. Deux unités détruites. Et je vais potentiellement à la fin du tour de Laurent marquer 3 points pour contrôler mon bastion. Et à la fin de mon tour, je suis donc à 19 points. Début de mon tour 2, je prends un point de co. Moi aussi, site. On est toujours deux, deux. deux objectifs, donc je vais marquer 10 points. Et en carte, j'ai tiré force écrasante, en l'occurrence détruire une unité qui tenait un objectif. Et de l'autre côté, abattez-le, tenir, détruire soit des monstres, soit des véhicules. Et ça tombe bien en face, il y a plein de monstres Notamment un prince, je sais pas pourquoi il rentre dans la porte <laughs> Je sais pas qui fait là, puis là on a à Swarmlord. je être du quand pas. même qu'il n'est pas sur l'objectif, c'est ma seule chance. S'il a été sur l'objectif, la charge serait passée, tiens. <laughs> je pense que oui. On peut refaire la scène si non, tu veux Non, 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 je ne te la pas. <laughs> Phase de move, le but va être d'éliminer les trois grosses menaces qui en plus devraient pouvoir me permettre de scorer le prince, le Swarmlord. Et le pack de gargouille. Les Sagittariums vont se mettre en portée pour pouvoir saturer un peu ou tir. Et Draxus, Kyria Draxus va essayer de tirer sur les petits bondisseurs. Le Coronus va sûrement tirer soit sur le Swarmlone, soit sur le Prince avec ses Devastating Wounds. Traian va charger le Prince et on a deux charges à 8, que ce soit l'Even Atari ou le Blade Champion sur le Swarmlone. Et je vais dire maintenant j'ai vachement peur de ce mec. <laughs> hey, pas... hey, il n'a pas l'air mais euh... il transporte le cul d'un oh <laughs> Genre il l'a sur l'épaule. Alors quoi Et pour l'instant on va laisser ce pack ici. Tranquillou et le Malécepteur qui est au fond. Tranquillou aussi. Fin de la phase de mouvement. Du côté de Laurent, pas grand chose à dire. Il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Par contre, moi, j'ai claqué un petit PC. Je vais donc passer de 2 à 1 pour faire une arrivée précipitée avec. L'Alo Spex. Exactement juste ici où je suis bien en dehors de la zone de déploiement de Laurent. Phase de tir. On va activer le Coronus qui va utiliser ses Arachnus Devastating Moon Twin Linked potentiellement. Sur le Swarm Lord et ses petits tirs de la sur le. Camoulox Solent. ce que, que tu veux. sur le Sparmine, tu là-bas, ok. Les 8 tirs qui vont tirer sur le Swarmlord, Tout passe. Endurance 10, donc ça va être sur du 6. Devastating Wound, Twin Link, donc reroll des blessures. Tu en as 2 pour l'instant. Et on va tout reroll. Hop, excusez-moi. Et ça t'en fera 3 au total. PA-1, mais surtout Devastating, donc tu t'en fiches. 3. Il va perdre 3 points de vie, il va donc passer à 7. Dis donc, <laughs> les 3 tirs de la Sloan Bolter sur le Spirovor là-bas. <laughs> Sustain. Donc 2 qui passent. Force 5, donc sur du 2. Endurance 1. Père. Il y a moins 1 pour un dommage. Bon bah il est mort. Je crois, hein. Ça va. Ça, T'as ah, ça bon mais... pas le couvert Ça va, <laughs> bon, <t> <laughs> Le Coronus a tiré. On va tirer avec le pack de Mister Trajan Valoris. Les 3 lances qui sont la lâche du watcher plus les deux lances vont tirer sur le soir blanc et toutes les épées en l'occurrence les deux épées qui sont là vont tirer sur le prince tyrannide on fait déjà les deux lances donc full reroll. tout passe mm -hmm. force 4 endurance 10 sur du 6 reroll, puisque je suis sur l'objectif rien full re-roll tu si en as une pa moins 1 donc tu as le couvert Sauvegarde à 2 pour 2 dégâts bravo merci Laurent. L'âge du Watcher. Hop Il est dans l'unité, donc il peut relancer aussi. Rien du tout. Les petits pistolets des épées sur ton tyran. Deux qui passent. En l'occurrence. Force 4, endurance 9. Endurance sur, 9 sur, du 5, du... Euh, sur du 6, reroll. Sur du 6, full reroll. Rien du tout. C'est le petit tir histoire de bien bien sûr. Les sagittariums vont tirer sur le prince tyrannide. C'est touche soutenue 1, hein, puisque c'est l'équivalent de Bolter, mais avec dégâts 3. Et force 5, endurance 9, ça va être sur du 5. Si on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. PA-1 pour 3 dommages flat. OK, PA-1, sauvegarde à 2, qui passe à 3. Une qui passe. 3 dégâts. Fin de pain à 5. Écoute, je vais prendre 2 PV. Il lui en reste 8. Je prends. On va faire tirer Dracus, Draxus, Kyria. Les 4 tirs. 3 qui passent. Anti-infanterie devastating sur du 4 plus. Rien du tout. Merci Laurent. <laughs> sympa d'intégrer ce personnage dans ta liste. Tire psy, 6 tirs. Sustain 2. 6 qui passe. Force 6 en du 5 sur du 3 plus. Sans PA. Tu en as 3 pour 2 dommages plats. Sauvegarde à 4 qui passe à 3 grâce au couvert. Ça tank. Splendide. C'est impressionnant de façon de tir. Ah ouais, hein. impressionnant. <laughs> J'active les Castilian Guard avec le capitaine rempart qui vont tirer les trois lances sur les bondisseurs et l'épée va tirer sur les gargouilles. J'ai moins un puisque les bondisseurs ont Discretion. discrétion. Donc ces deux-là ne passent pas. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Oui, Mais il reroll puisque je suis sur un objectif. C'est fort. Hein. Tu en as deux. PA moins 1 pour deux dommages, tu as le couvert. Sauvegarde à 4 qui reste à 4. Combien de dégâts Deux dommages. Eh bien écoute, il va rester un point de vie sur un. L'épée qui tire sur les gargouilles. C'est de l'acharnement sur les gargouilles. En du 3. Donc ce sera sur du 3, reroll. 2 qui passent, p 1 pour un dommage. J'ai une sauvegarde à 6 qui passe à 7, ça me fait 2 morts. Pouf. Oh. Et pouf. <laughs> on fait tirer les 3 lances des Venatari. Donc 6, 6 tirs sur les Gargouilles. 5 qui passe. Force 5 sur du 3. Si on a 3, PA-1 pour 2 dommages. Ça fait 3 morts. Pouf, poup poup, poup. Fin de phase de tir, on va passer en phase de charge. On va déclarer les premières charges, donc celle qui est auto-reroll pour le Blade Champion. On est sur une charge à 8. Non, reroll. Passe, passe, passe. Ça passe. Et merde. On a la charge des Venatari aussi sur le Swarmlord. À 8, toujours. Ça passe. Calme tes charges, Laurent. Et la charge auto sur le prince tyran. Belle moyenne, hein Belle moyenne, <laughs> on est bien là, on est bien. C'est parti pour un début de phase de combat, qu'est-ce que tu vas utiliser comme katar Je vais utiliser Hus de Katarai, parce qu'en fait j'ai pas mal de sources de soit reroll blessure sur un objectif, soit lance, parce que j'ai chargé avec les Venataray, et là on va charger, on va utiliser le profil avec les Devastating Wounds pour le Mister Blade Champion. Donc on va plutôt essayer d'aller chercher le maximum de touches, donc on va utiliser Dakatarai, Hus. Les touches soutenues. Je vais utiliser un PC pour avoir un insensible à douleur à 6 qui passe à 5 parce que je suis moi-même synapse. Tu as bien raison. Je suis à 0 PC. On va d'abord activer le Blade Champion pour rappeler et l'optimisation la, la, de la, de la Veil vale Blade. J'ai <laughs> surtout un mal dans la gueule, <laughs> mon gars. <laughs> Donc ces 5 attaques passent à 7. En l'occurrence, sur du 2, 1, 2, 3, 3 touches soutenues. 1, 2, 3. Force 6, endurance 9, ce sera sur du 5, tous les 6 font. 3 Devastating Wounds. Yes. 3 blessures. C'est Endurance 10, mais c'est la même stat. Non, c'est sur du Eh oui. C'est la même chose. <laughs> une. Et. 2 blessures. CPA-3, sauvegarde à 2 qui passe à 4. Et ça tank. Par contre, derrière, tu m'as fait passer un 6, donc une blessure dévastatrice. Tu vas donc me faire 3 dégâts cash. Petite insensible à douleur à 5. Écoute, je vais m'en sauver 2. Il me reste 6 points de vie. Joli. On active les Venatari. 5 attaques chacun, donc. 15 attaques. Je vire les 1. Et ça tombe bien. J'ai 3-6. Donc on a 15 qui passent. Force 7. Donc en l'occurrence, ce serait sur du 5, mais comme j'ai lance, j'ai plus un pour Wound. Donc je passe à 4. 4, plus pour blesser P à moins 2 pour 2 dégâts, sauvegarde à 2 qui passe à 4. J'en ai 5 qui passent. C'est parti. Sur du 5, je les annule. Premier jet. Écoute, malheureusement, je vais prendre 4 PV cash. Deuxième jet. Allez Joli! Et il va survivre! Non, il pourrait le mourir. Ah bon? Ah Attends, oui. j'en ai 4? Ah, 4 et 2. Oh, 6! Ça, ça fait cool. 6! Ça fait 6! C'est comme ça qu'on perd les games. On à <laughs> à chaque fois. Et pouf, euh, voilà. Pouf, le Swarmlord! Là, les amis, on va tout simplement les retirer parce qu'on a vu que tout à l'heure déjà, avec juste élan, on se les buquettes. <laughs> et en plus, j'en ai tué quelques-uns au tir, donc il va en rester moins. On active le pack du milieu. Et pour le fun, on va commencer par Trajan, fils des Ascarouches, avec ses 6 attaques. Ouf, il a quitté le bateau Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5... Je pense que j'ai bien fait de choisir de la cataraille. 5 proc. Bah, je pense que j'ai bien choisi de choisir des seraps de bataille gros. Force 10. Avec endurance. un physique comme le sien, moi je préfère qu'il chatte en game, ça lui permet de reprendre confiance en lui, c'est important. T'as pas le physique, tout sur la chatte. Endurance. Euh, endurance 9, lui. Endurance 9, donc force 10, donc ce serait sur du 3. Full reroll, puisque je suis sur un objectif. Le reroll. Et bah ça te fait à peu près 11 PA-2 pour 3 dommages flat. ne bon. suffit, je pense, sur 6 bien. attaques. Non, en, fait, je... en fait, le problème c'est que c'est pas les tyrannides, c'est toi. C'est moi, je te permets pas. Sauvegarde à 2 qui passe à 4. En plus, bon bah écoute, on va être bien hein, <laughs> sur cette game, ça va être très sympathique. Hein. Et ici, c'est des gars flat 3. Flat 3. à 5. Joli. Euh, sur le premier jet de j'en prends 2. Donc il est à 6 PV. Oui. Sur le deuxième, j'en prends 3. Donc il est à 3 PV. Ouh là là, ouh là, là Et, Et il oui. est mort. Est-ce qu'il explose ça se lisse. Non, il n'explose pas. Fin de mon tour, je vais marquer force écrasante pour 3 points et abatte-le, j'ai tué deux monstres. 1 à 3 points, 1 à 2 points, donc ça me fait 5 points, mais comme je suis en tactique, je passe à 6. Ça me fait 9 points au total sur secondaire. Yes, ça fait qu'à la fin de son tour, LOL est à 25 points. Moi à la fin de ton tour, je marque 3 points pour avoir défendu mon bastion. Le score à l'issue du round de 2 est donc de 22 pour les tyrannides à 25 pour les custodes. Mmh. C'est parti, début du round 2, 3, début de mon tour 3, LOL va passer de 2 à 3 PC, moi j'ai passé de 1 à 2 parce que malheureusement le Lamp est fait. C'est intéressant si on regarde un petit peu d'un point de vue macro les ressources qui me restent et de la manière dont elle s'est disposée. Stat, le Swarmlamp devait pas mourir et c'est pour ça que ça m'embête un petit peu, j'aurais aimé avoir une ressource ici. Là, ça va me forcer à exposer le euh, le ouais, Tor. Euh, mais en fait, c'est pas ça, c'est en fait le fait de l'emmener ici pour potentiellement tirer, charger et ainsi de suite, eh ben, ça fait que j'ai moins de défense chez WAM. Au niveau des cartes que j'ai tirées, j'ai eu Assassinat. Bon bah, ça tombe, il reste 4 PV à ce petit monsieur. Et derrière, j'ai tiré aussi purification, on l'a vu tout à l'heure, le fait de faire une action, si je la fais sur un objectif de no stand, c'est 3 points, si je la fais sur 2 ça sera 5 points, là clairement la game elle a pris un mauvais justement virage avec euh, la perte d'ici et comme on le sait avec les custodes, j'ai plus trop de ressources pour en tout cas bah, le priver de certaines de celles-ci, donc en fait ce que je vais pouvoir faire à ce tour là, il me reste toujours un pack de gargouilles qui vont arriver, je pourrais potentiellement lui voler l'objectif qui est chez lui, j'ai deux leviers pour le faire, soit ici on a l'azurpex qui est là et en bougeant de 8 il va faire une charge à 8 euh, là-bas, s'il rentre dedans il n'y a pas de problème, il va aller buter et il va voler l'objectif. Je suis quand même tributaire d'une charge à 8, mais j'ai un PC pour la reroll. Ou alors, je fais venir mes gargouilles là-bas et avec mon mouvement de 6, je vole l'objectif. Le problème, c'est que je les expose au Sagitarum. Au enfin, ça s'agit de sa mère là. <laughs> qui est ici. Et donc, en gros, bah, c'est une cible parfaite parce qu'ils font de la saturation de tir. Donc, si j'envoie des gargouilles, elles vont partir cash. C'est là où ça m'embête un petit peu. Là, si on regarde, c'est intéressant. On n'est en pas encore dans la phase de mouvement, on vient de vérifier. Donc, si les gargouilles, je les mets là-bas, je pourrais en mettre deux, Donc, c'est sûr, je pourrais voler l'objectif. Le problème, c'est qu'en faisant ça, je donne à manger au Sagittarum, là. au et donc bah, euh, il va me les buter. Alors que si j'arrive à faire ma charge à 8 et que je garde mon PC pour la reroll, avec donc lui, je suis quasiment sûr parce que je vais te balancer 14 attaques, blablabla. Oui, bla, 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 bla. Bla. Et au moins je m'assure d'avoir un monstre sur l'objectif et de pouvoir récidiver entre guillemets bah, justement l'arrivée des gargouilles pour potentiellement plus tard. Ou alors tout simplement les emmener chez moi et m'assurer... 5, 10, pendant quasiment tout le reste de la game, ou au moins jusqu'au T5. Donc, je vais réfléchir, et je fais le reste des mouvements. C'est parti, fin de la phase de mouvement. J'ai décidé, étonnamment, alors, on a regardé, en fait, je pouvais mettre les gargouilles ici, pas potentiellement bouger 10, mais... Non, non, pas étonnamment, comme un pleutre. Ah, ok, <laughs> on va voir, on va voir. Ah, et en fait, ouais. le problème, c'est qu'en fait, si je les as, je me bloquais tout seul l'avancée, donc, la tentative de ma charge à 8 avec, euh, ici, le... Euh, la rouspex. La -spex, qui sera donc sur une charge à 8. Et par contre, j'ai décidé de faire rentrer les gargouilles ici, mais qui viennent écranter les bondisseurs. Je me dis que si jamais il veut venir ici, il est obligé de claquer, parce il a plus de 4 pouces, donc plus de 3 et de 1 pour être rapporté de l'objectif ici. Donc, c'est-à-dire que s'il vient me charger, il est obligé de claquer un PC pour être sticky objectif sur celui-là ou d'envoyer des ressources dessus, ce qui me font très bien. Et normalement, à part s'il me fait énormément de dégâts au tir, il ne pourra pas taper sur euh, les bondisseurs. On va voir, hein. clairement, de toute façon. La game commence un peu à s'effronter de mon côté, donc il faut que je, que je gagne un maximum de points. On va enchaîner ensuite ici. Les trois sont à portée. Et ce qu'il faut juste noter, c'est que les bondisseurs, ils étaient 2 sur 3. Ils n'ont pas eu à, à faire de test d'ébranlement. Et ils vont tout simplement prendre cet objectif et surtout lancer mon action sur celui-là. On va passer de ce côté-là de la table, les amis. On va commencer tout simplement par ce exocrine qui va tirer là-dedans. Ils sont combien Ils sont exactement 5 plus 1, 6. Je vais claquer pour 2 PC. Donc, je vais passer à 1. Pour avoir moins un dommage. C'est parti. D6 plus 3 tirs, plus 1. Ouh 10 tirs. À peu près Même moi, ça m'a surpris. Même moi C'est parti. 10 tirs sur du 3. Proc à 6. C'est moche, malheureusement, j'ai qu'un 6. Hop, ça me fait une touche. C'est Force 8, Endurance 6. C'est sur du 3. Et c'est PA moins 3 pour 3 dégâts. 2 dégâts, puisque t'as claqué ton PC. 3 dégâts. Euh, 3 save. Qui prend Je vais mettre sur un. Bouclier. J'ai un bouclier qui meurt. Ok, ensuite on a le Nord qui va tirer. Pareil, il va mettre euh, deux tirs en version énervée. C'est sur du 2. Relance D1. Relance D1. C'est force 12. Endurance 6. C'est sur du 2. Et ça t'en fait 2. 2. Invulnérable à 4. Ouf. Euh, qui prend Toujours un bouclier. Des 6 dégâts, ils en ont 4. Quatre. Quatre, mais j'ai moins 1 dégât, donc il me faut du 5. Bon. <laughs> Pouf. Et le deuxième, sur qui tu prends euh, bah, Ah, t'as mis le pro... bouclier eh, Je vais prendre sur euh, une lance Eh ben écoute, 4 quoi qu'il arrive Je <laughs> Pouf. Pouf. Euh, vais tirer maintenant avec le deuxième exocrine. D6 plus 3. Ça fera 5. Sur du 3, reroll D1. Il n'y a pas de 3, mais il y a un une échec et un touche soutenu. Et c'est force 8 toujours, c'est donc sur du 3. Et ça t'en fait 4 s'il te plaît, perds moins 3 pour 3 dégâts ramenés à 2. On va les faire 2 par 2. Voilà, 3 par 3. j'ai 2 PV. Il me reste 1 PV sur la dernière lance avec une blessure restante. Et la lance est morte. Il Poup. me reste la Vexilla. Et le patron. Ça tire fort, hein Ça tire fort. Ouais. Je dirais, euh, j'ai remarqué que... D'ailleurs ex... j'ai queené parce qu'il y a eu une action genre à 40%. Là, il y a eu aucun l'heure J'ai remarqué que les exocrées ça pique pique. Hein J'adore ça en termes de modélisme. Franchement, regardez-moi cette beauté. <laughs> On dirait un phallus. On dirait un phallus carapacé. Et ben attends, je t'ai pas montré, mais tu parles à un modéliste. On dirait un phallus carapacé. Regarde. Ils sont pas en dessous Non, pas du tout. Regarde, tire mon phallus. Eh ben, tu le gardes. je suis comme Tortue Ninja, c'est comme ça. Ça nous fait voyager le bilan. Je C'est parti, on a le Malceptor. Si c'était un petit peu plus stable, on va dire comme game, j'aurais tiré sur eux, chargé sur lui. Là, je vais être sûr, j'ai assassinat. Trop genre est trop loin, j'ai plus de tir, je vais tout mettre dans lui. On va donc commencer par ces D6 plus 3 tirs. Et ça va nous faire 6 tirs. Ça touche à 3. Ouh. Ouh, joli proc. 4 procs. C'est un peu le même que le tien, tiens Ouais, derrière. <laughs> Force 10, endurance 6 sur du 3. à moins 2 pour 3. Quelque chose de musique qui va mourir. Plusieurs fois. <laughs> <laughs> eh non, 9 PV seulement! Poop. <laughs> Poop. Et ça me déclenche mon assassinat. C'est parti, on enchaîne ensuite avec la phase de charge, entre guillemets la plus importante, qui m'apporte entre guillemets euh, rien, si ce n'est le privé de 5 points de victoire, mais il sera déjà à 10 et en fin de game, je pense qu'il va être bon. Euh, c'est simplement que c'est une charge à 8 qui est difficile, donc est la, enfin qui est difficile, qui est la moyenne mais la plus importante, donc j'ai gardé mon PC pour pouvoir relancer celle-là. Et derrière on en aura une bonus ici à 4, bah, qui ne sera certainement pas reroll. C'est parti, ici, charge à 8 de lui sur là-bas. C'est euh, cassé je vois bon, pas. Non C'est hein. cassé Non. C'est un 1 Eh bien c'est pas cassé. Je vais claquer mon PC pour pouvoir reroll, charge à 8. Et malheureusement ça va faire 7. Décidément il n'y a pas une charge à 8 qui passe. Et là ça va me mettre dedans quand même. Et ici Charge à 4. Elle passe. <laughs> c'est parti, ici je vais y aller en mode euh, fauchage pour tenter... Je le... vais te mettre moins 1 puisque je vais utiliser Captaris. Le Kata Captaris. C'est parti, Ça, à toi Laurent. Ça me fait donc 6 attaques sur du 4. J'ai un 1, mais j'ai tout 6 Force <rire> 7, endurance 6, c'est sur du 3. Et écoute, ça va t'en faire 4, 5. 5. PA-1, donc sur du 3, dégâts 2. Et il y en a un qui passe à un PEV 15 attaques. Hop, ça et ça, ça ne passe pas. Force 7, 11, endurance 11. Ce sera sur du 5. J'aurais pu utiliser stratagème pour pouvoir avoir plus un bless. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile, surtout. Ils vont avoir désengagé charge, désengagé tiers C'est une règle de base, capacité de base des Vénatar. Donc sur du 5, plus, si on a 1, 2, 3, 4, ça m'en aurait rajouter 2. Je pense que c'était bien vu. PA-2, sauvegarde à 2 qui passe à 4. Et écoute, je vais en rater 2, ça va me faire 4 points de vie, il va lui en rester 10. Fin de mon tour, j'ai réussi à marquer Assassinat, donc j'ai marqué 5 points de victoire ici, et purification fait par les bons disturbants sur cet objectif-là, qui me valent 3 points de victoire. Je vais donc faire un tour à 8 de secondaire et à 10 de primaire. Mon score est passé à 40. C'est compliqué, puisque, malheureusement, le fait d'avoir une charge à 8 rerolls qui passe pas ici, ça me, bah, encore une fois, fait, ça fait partie des petits éléments de jeu, à un PV près, le Swarmland qui qui doit pas mourir, et 2 ainsi... PV près, et ainsi de suite. Là, ça fait la deuxième action où ça commence à potentiellement créer des deltas à chaque fois de 5 points de primaire, voire 10, parce que Laurent aussi va en mettre 5 derrière. Donc, malheureusement, ça commence un petit peu à appuyer sur ces petits échecs de dés, euh, mais on va voir un petit peu ce que ça donne après. Au début de mon tour 3, je vais marquer 15 points, puisque j'ai 1, 2, 3 objectifs. Surtout celui-là, bâtard Celui-là ouais, Je l'ai encore hein. bah oui, je, je le sais bien, langue. un point de commandement La France le sait, <laughs> Et je vais tirer pas de prisonniers <laughs> et élargir les, 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 élargir les zones de front. Ce qui, est déjà, très bien. Ce qui est déjà le cas, Laurent, <laughs> puisque tu as, tu as... Je parle pas du physique, Laurent J'ai mon objectif et un des deux du No Man's Land, ce qui me donne automatiquement le élargir, les zones... De front. Yes Max. Et aussi pas de prisonnier tout simplement, il va marquer deux points de victoire pour chaque unité qui détruit, capé à 5, donc à unité 3 unités voilà. détruites. Donc encore plus, le plan macro d'essayer de reprendre cet objectif avec celle-là, malheureusement, et ça aurait vraiment été très bénéfique, puisque quand on regarde la table, au niveau ici des Sagittaires, en fait, ils font des dégâts au parce qu'ils ont des petits points, ils n'ont pas d'épée, ils n'ont pas, pas de lance, et ainsi de suite. Et donc ça veut dire que si je m'étais mis de l'autre côté, il l'aurait repris, parce qu'il a un meilleur OC, mais au moins il m'aurait laissé mon monstre en vie, parce qu'il n'a pas de quoi aller le chercher. Donc il... ce qui va se passer de mon côté, c'est qu'en l'occurrence, je pense que je vais renvoyer Tryan Valoris. Et la après avoir ripop Carskin sur le MySaptor. de ce côté-là, on va venir se poser bien fort sur l'objectif pour tanker potentiellement ce qui arrive en face. On va sticker celui-là pour aller charger les gargouilles et les Sagittarium vont se mettre en portée avec le Coronus pour essayer de saturer au maximum le Aruspex. Quant aux Vénatins qui ont désengagé charge et tir, je pense qu'elles vont essayer d'aller se protéger en tuant le biovore puisque ça m'octroierait les 15 points si jamais je perdais cet objectif là. Fin de phase de mouvement, donc j'ai fait ce que j'ai dit, j'ai stické cet objectif, j'ai repopé un petit garçon qui était là. Phase de commandement, est-ce que je suis inciblable Je suis inciblable à plus de 18 avec cette unité. Maintenant, cette unité va pouvoir tirer sur ça. Là, j'ai quelques tirs d'opportunité, surtout on va charger le biovore. Ici, pareil, on va essayer de mettre maximum sur la respect. je ne pense pas que je le tuerai mais c'est de l'amenuiser. Et là-bas, j'ai fait avec les prosecuteurs et la deuxième escouade qui est arrivée une sorte de mouvement de plaque tectonique de telle manière à faire un cordon et protéger mon objectif si jamais je loupe ma charge à 6 sur le Biovore dans le camp de Heavy. On va commencer ici, on a les 3 lances, puisqu'en l'occurrence, l'épée don... et la miséricordia sont cachés, les 3 lances qui vont pouvoir tirer sur les gargouilles. Sur du 2. Hop, tout passe. Force 4, endurance 3. Sur du 3. Tu en as 4 qui passent, PA moins 1 pour... Deux dommages. J'en ai quatre qui sont dans le couvert, ça tombe bien, sur du 6, puisque je suis 6, pa-1, plus 1. Trois morts. Ici, je vais surtout essayer de défendre mes bons Discerbants Ryan. Je vais donc retirer. Un, deux et trois. On passe de ce côté-là. De ce côté-là, on a des tirs d'opportunité, en l'occurrence. La lance qui va tirer sur le Maliceptor. Les deux passes. Pas de reroll. Les trois vignes qui vont tirer sur le Maliceptor. Tout passe, c'est dommage que je n'ai pas tout soutenu. <laughs> Et sur du 6, rien du tout. On va faire tirer le coronus sur la Ruspex. 8 tirs. Tout passe. Force 5. Endurance 11. Sur du 6. Twinning, donc reroll, des blessures. Devastating moon. Tu en as 2 pour l'instant. Et je pense que je vais relancer tout ça. Donc tu en as 3 sur la Ruspex. Ici, c'est PA-1, mais on s'en fiche, c'est des blessures dévastatrices. J'ai cliqué un PC pour pouvoir tout simplement avoir un insensible à 6 parce que je ne pas apporté de synapse. Je pouvais le garder ici pour la phase de charge, euh, mais en fait, je vais, il va tellement être en overkill avec Jean Valoris que, honnêtement. Non, euh, je... non oh, il, il est gentil, très ouais, bien. bien. sûr, bien sûr. <laughs> euh, et, enfin, en tout cas, je pense d'un côté, en fait, non, parce que je, là, j'ai peur parce que c'est ce que tu m'as fait sur le prince. C'est parti, 3 insensibles à 6. Et écoute, ça va en, jouer en sauver une. Il oui, va 12 points de vie. Les trois tirs de Sustain, ça tombe bien. Force 5 sur du 6. Pas Twin Linked. Une PA-1 pour un dommage. Je suis à couvert, sauvegarde à 3. Qui reste à 3 1. C'est dégâts combien 2 Dégâts 1. Dégâts 1. pain à 6. Non, il perd un point de vie. Il est à 11. On active les Sagittariums qui vont tout mettre dans la rue 15 tirs. Hop. Ah, donc on aura le droit de faire des étages avec des dés. Ouais, bon, si tu veux, je leur lance. <laughs> je tente tout, les gars. <laughs> Voilà, je tente tout. On a 3 sustain. En plus il y a son gamin qui est là-haut j'arrête pas de donner des mauvaises, des mauvaises <laughs> idées parce que je suis en train de me venger hors table quoi. C'est ce qu'on essaie de faire à Warhammer. C'est pas beau. <laughs> C'est pas beau. Force 5 en du 11 sur du 6. Pas de rérol malheureusement. Tu en as 4, s'il te plaît. PA-1 pour 3 dommages. PA-1, sauvegarde à 3 qui reste à 3, je suis à couvert. Ouf. 6 si dommages. Si 6 dommages cash. Je file le pain à 6. Ouh, si dommage cash, il en avait 11, il ne reste 5. On fait tirer les Prosecutors, tir rapide, sur la Ruspex. Donc, force 4, endurance toujours sur le 6. On cherche les petits PV de la honte. Bah il n'y en aura pas là. <laughs> Je crois que son gamin veut déjà arrêter ses études assez vite. <rire> <rire> Ce serait bien. Déclaration de charge. On a en l'occurrence Traian et ses petits camarades en charge à 2. Et Char -6. les binatari, charge à 6. Traian. Ah, oh, oui c'est ce qu'il fallait que je fasse. <laughs> Et charge à 6 des vénérataris sur le bio. -Brain. Tu l'as fait avec un dé, toi, celle-là, non Avec celui-là de dé. Avec celui-là de dé. Voilà, ça pue, les gars. Début de phase de combat. Choix du kata. J'ai En l'occurrence, on va euh, chercher. Est-ce que Attends, je m'attends juste Faut que je m'hydrate. Oui, <laughs> je m'hydrate. je m'hydrate, non, hein. rien à voir. Rien, rien à voir. <laughs> charge à 2 sur les garçons. Casser. Elle passe déjà avec un dé. <laughs> Change, okay. Donc là, c'est intéressant, il a déclaré vraiment que les gargouilles. La question, est, c'est est-ce que tu vas finir à plus de trois pouces Est-ce que tu peux d'ailleurs socler? Non. je vais être obligé de me prendre la spormine. Ok, je vais jeter un dé parce qu'il y a une petite spormine ici qui finit un mouvement. C'est un mouvement, non, enfin, euh, quel que soit le type. J'ai fait 4. faut savoir que de 2 à 5, il va prendre une blessure mortelle. Et sur du 6, il allait prendre des trois. On rappelle, c'est un custodes. Il a donc un insensible à douleur à 4 sur les blessures mortelles et les blessures dévastatrices. Bon, un donc mon bouclier qui avait déjà pris un PV. On a pris un deuxième. Début de phase de combat. On va déjà choisir le kata. On va faire encore une fois Dakatarai. Yes. Je vais activer l'unité de Traian Valoris. En l'occurrence, je vais utiliser sa capacité qu'il peut utiliser une fois par bataille en choisissant soit une invulnérable à deux, soit un fight first, soit doubler ses attaques. Je vais doubler ses attaques. Il va passer de 6 à 12 attaques. Histoire de donner plein d'informations. Il y a aussi le mot-clé grenade qui lui permettrait potentiellement... <laughs> <laughs> Il a le, aussi le bouclier de caractère. <laughs> On est sur 12 attaques. Hop, les 6 proc ça tombe bien. Il n'y a pas de 6. Reroll 1 puisque je suis dans une unité de Custody and Guard. Tout passe. J'ai force 10, endurance 11. Donc ça va faire 5 plus Reroll D1 puisque je suis dans une unité de Custody and Guard. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 qui passent et Reroll D1. Ça tombe bien, il y a des 1. Et il y en a deux de plus. PA. PA, moins 2 pour 3 ok oh, Ok, sauvegarde à 2 qui passe quoi qu'il a. Euh, sauvegarde à 3 pardon, qui passe à 4. Combien de dégâts? 3 dégâts flat. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18, et, et, et ben que soit... <rire> <rire> quoi que ça soit 10, 10, <laughs> je le le 10, 10, ce 10, ce 10, 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 Tu penses que 10, 10, Moi, je suis sûr. <laughs> On active les Venatari, les 10, attaques sur du 2. Sur du 2, touche soutenu. et on est force 7. Endurance 6, ce serait sur du 3 mais comme j'ai lance, ce sera sur du 2. Parce que j'aurais plus 1 pour, pour blesser. Et tu as, en l'occurrence, 1, 2, 3, 4, 5. PA PA moins 2 pour 2 dommages. Euh, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Ouf. bon bah, combien de dégâts de Deux dommages 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Pile poil Un a survécu. Un a survécu encore une fois. Euh, le... Il oui. <laughs> faut que je sature plus. J'active l'unité de Capitaine Rempart. Les trois lances d'abord. On a 3-6, donc trois touches soutenues. Trois touches soutenues. Et maintenant, on va être sur du 2 plus. Reroll D1, puisque je suis un Castellan Guard. Reroll D1. Tu as. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ah, 10 morts. 15. 18 morts exactement. Okay. Soyons précis, je l'ai. Est-ce que tu veux pas une ligne sur moi Mais bien évidemment, euh, bien évidemment que non. D'accord. <laughs> Par contre, je vais t'entourer. Fin de mon tour 3, je me score 5 points pour pas te prisonnier. J'ai trouvé 3 unités, mais on est capé à 5. Et je score 5 points pour étender. <laughs> élargir les zones de front puisque j'ai toujours 1, 2, 3 objectifs dont le mien, je marque donc 10 points et ce, on rappelle qu'il a mis 15 points de primaire il est donc passé à 50 le score à l'issue du round de 3 à 40 pour les tyranides et 50 pour les Custodes. C'est parti, les amis. Fin de la phase de mouvement. Euh, il s'est passé des petites choses assez intéressantes quand on a regardé interdire la zone. En fait, c'est compliqué dans le sens où il faut que j'ai une unité entièrement à 6. Ce qui est possible, c'est-à-dire que si je monte là-dessus et qu'après je fais un pile soit parce qu'il est mort, soit parce que je fais une belle charge native avec les bondisseurs parce que je vais être obligé de le loquer. Donc je vais pas être capable normalement de rebouger après si je le sors pas. Mais en gros, si je fais une belle charge avec eux, mais c'est même pas une belle charge. À partir du moment où je ferai une charge à 6, 7, je pourrais être entièrement à 6 de l'objectif ici en me loquant ici. Donc ça veut dire que si jamais j'arrive à lui sortir ça, il y a toujours une unité ici, donc en vrai je vais viser que la version low cost d'interdire la zone, c'est-à-dire si moi j'ai une unité entièrement à 6 et que lui il n'en a pas, c'est 5 points, si lui en a une, c'est 3 points. Donc en fait c'est ce que je vais faire. Là où c'est intéressant c'est que pour le tir, soit je tire sur eux pour le privé de ressources pour la late game, même si bon il y en a assez, hein. <laughs> euh, soit tout simplement j'essaye de le sortir lui. Mais il a endurance 12, donc quoi qu'il arrive ça va être sur du 5 pour blesser, là j'ai qu'un PC, donc je ne vais pas être capable de critique avec la touche létale, bref, j'ai pas assez de PC pour pouvoir vraiment tenter de faire des dommages, et on a vu que tout 1 quand j'ai tout mis dessus, j'ai fait 3 pev. donc <laughs> à peu près, à peu près. <laughs> donc là, je vais plutôt tout tenter en fait pour mettre ça sur l'unité de type infanterie qui est derrière. Et là, ça va juste être des mouvements de charge pour regagner le terrain et potentiellement avec la charge des bondisseurs bountry justement me faire un peu plus plaisir. C'est parti donc, on va enchaîner avec la phase de tir. On va commencer par l'exocrine qui est derrière qui va tirer sur eux avec D6 plus 3 tir. Et écoute, je fais 4, ils sont plus de 5. Donc en fait, ça va être D6 plus 4, donc 4 plus 4, 8. C'est sur du 3, tu claques quelque chose ou pas Je ne peux pas. Ok. Eh bien écoute, ça en fait une en plus ici, je suis force 8. 100 dans 6 comme tous les custodes du monde. Exactement. Et de tout l'univers. Tout l'univers. 3+, plus. eh bien écoute, ça en fait 4. 4 saves, sur ma 4 plus 1 vue, à chaque fois que j'en je, loupe une, c'est un mort. Oups, oh, eh bien 3 morts. Je vais faire la même chose avec le collègue qu'il y a juste à côté, c'est celui avec celle qui se retire. <laughs> six trois. Tu 6 plus 3. Ou 6. <laughs> tu me fais faire des bêtises. C'est parti, j'ai la chance d'en avoir 9. C'est sur du 3. Relance bien, puisque l'autre exocrine a tiré dessus. Relance bien. De Et pas un proc. Non, mais c'est pas grave. Sur du force 8, oui, toujours, endurance 6, toujours. C'est sur, sur du 3. Toujours. 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 Cassé. Eh ben, je pense que... <laughs> ils vont mourir. On va faire 2 par 2, même si non, ça ne change rien, puisque de... Alors, c'est histoire 2 pour Draxus. Un mort, il en reste un, c'est pour le suspense. Et bah c'est Donc Draxus va prendre. Et bah Draxus, euh, si j'ai pas de bêtises, et elle reste vivante à un peuve. C'est ça, elle en a 4. On vient de vérifier les amis, elle en est invulnérable à 5 et pas à 4, ça fait que malheureusement elle est aussi morte. Draxus. Eh, c'est pas un peu trop fort au tir le tyrannide Bah, ses deux unités, oui. <laughs> Ensuite on va passer au Nord, il va mettre ses deux tirs à fusion, il a apporté de fusion, sur du 2. C'est bon. Et il est force 12, endurance 12, ça tombe bien, c'est sur du 4. Et écoute, ça, ça fait 2 et 2. Je peux que le Nord ne peut les il fait du super boulot. Il a pour dire cet objectif, c'est le mien. Alors là, c'est plus le sien. On va enchaîner les amis ensuite avec la phase de charge. Tout simplement, je vous parlais tout à l'heure des Body Servant Ryan, il me reste un PC. C'est donc eux la charge, entre guillemets, la plus importante qui ferait que je pourrais marquer 3 points d'interdire la zone. C'est parti. 5 et 3, 8. Normalement, point. je devrais pouvoir point, être entièrement dedans. Et ensuite, on va avoir le Nord, parce que ça mange pas de pain. J'en à 5 qui passe aussi. Et derrière, on a, là-bas, la ruspex qui va charger dans le pack. Je l'ai déjà placé pour pouvoir, entre guillemets, avec la charge et ses fesses, pouvoir aller prendre cet objectif. Ça fait. Ça passe. Les amis, pour éviter toute violence, parce que j'avais aussi un tir de langue qu'on a préféré ne pas faire pour éviter tout humour lourd, parce que c'est de l'autocensure, c'est une preuve de maturité sur YouTube. Exactement. Parce que c'est pour rappeler, c'est des femmes. Ouais, euh, de euh, et et des donc, femmes, là, voilà. je vais faire 14 attaques sur Pareil. du 3, proc et ainsi de suite. On va les retirer. Pareil. C'est pas beau. C'est pas beau. Et, pif, ils me vole l'objectif. Yes. On va passer au bon lisseur Bruns Rayan qui vont pouvoir taper 12 attaques sur du 3. Écoute, j'ai 2, 6. Et derrière, par contre, je vais être moins de force 7, donc ça va être sur du 6. Et ça va t'en faire une. Et à moins 1, donc ma 2 plus passe à 3, plus, cassé, je pense. Et ce sera un PV. <laughs> C'est parti, le Nord il va taper. Le Nord il va taper. C'est verdi, il va commencer par 6 attaques qui touchent à 2. Joli. Et qu'ils vont être force 9 sur du 5. Écoute, mange ça, ça t'en fait 3 PA-2 pour 3 dégâts cash. 3 PA-2, donc ma 2+, passe à 4+, et il y en a 2 qui passent, donc dégâts 3. 3. Donc je passe à 9 PV. Ensuite, je vais utiliser mes petites serres pour te faire 4 attaques en bonus sur du 2. Il y en a 2, 6 et j'ai 1, 1, ça m'en fait une de plus, et je suis par contre cette fois-ci que force 7, c'est toujours sur du 5. Toujours sur du 5. Ça t'en fait qu'une, s'il te plaît, PA-2 pour 2 dégâts ça cette fois-ci. PA-2, donc toujours 4+. Ça tank, Il me reste donc 9 PV. J'arrive, active le Coronus en, en, en défense. Et il ne profite pas des katas, donc on ne mettra pas le kata de la kataraille. Il a 6 attaques. Qui passe sur du 4. Force 8. Sur du 3. 3. Sur du 3. Tu en as 2 qui passent sans PA. Sauvegarde à 4. Il est mort. Poup c'est ce que je voulais. Moi bon, aussi, ça, euh, ça me change pas. Écoute, parce que je suis toujours entièrement euh, assise, donc il y a pas de problème. C'est verdi les amis. Fin de mon tour 4. Euh, écoutez, euh, j'ai quand même réussi à marquer des points, au moins sur euh, bah, justement le centre du champ de bataille. Donc je suis plutôt satisfait de ça. Euh, derrière, je suis pas pu charger ici parce qu'il bah, peut pas taper en premier. Mais globalement, il faut mieux que je fasse les quarts de table au moins pour marquer un petit peu de points parce que sinon c'est juste une garde d'attrition mais il la gagne. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais marquer 3 points sur 5 potentiels sur les quarts de table. J'aurais peut-être dû mettre un sport mini ici, mais c'est pas grave. Ça j'aurais dû prévoir bah, avant. Surtout, plus de oui, mais en fait avant. En fait, je ne savais pas pour expliquer que ici ce pack avait des engagements charge et donc en fait je savais pas que tu avais la projection pour aller ici et donc de me charger sinon mais moi j'aurais reculé le biovore et ainsi de suite et j'aurais fait à un hein, sport mid ici en fait pour anticiper le fait qu'il allait définitivement m'enfoncer c'est pour ça aussi que j'ai chargé avec le malceptor c'était pour tanker un tour de plus en tout cas ici j'ai marqué 3 sur 5 avec les quarts de table et j'ai marqué aussi 3 sur 5 sur sécuriser le no man's plus les 5 de primaire mon score est passé à 51 Début de mon tour 4, je vais marquer 15 points de primaire, puisque celui-là est sticky. Celui-là, je suis au C5 avec le Coronus. Et j'ai les Venatari derrière. Donc je mets 15 points. J'ai tiré cible tentante que je vais défausser pour un point de commandement. J'en avais gagné un, j'étais à deux, je passe à 1. En plus, euh, jamais j'aurais dit celui-là parce que je trouve trop évident comme jamais, chose. Jamais, jamais. <laughs> et de l'autre côté, j'ai inspecté les signaux. Inspecté les signaux. Je vais pouvoir potentiellement le faire avec deux unités pour 4 points. Même... Ici, avec les prosécuteurs, quitte à mourir, autant mourir, en marquant des points. <rire> <rire> Moi ça va très bien parce que ça lui fait indirectement quitter son objectif. Et donc potentiellement ça me ramène 5 points de victoire. A voir si t'as envie de le faire penser comme ça. On est au T4, je vais te demander de faire des tests d'ébranlement, puisque je vais déclencher... Non, Toutes les unités ça. vont devoir faire un test de commandement sans le moins un parce que je ne joue pas de retirant. c'est intéressant pour les joueurs tyrannides. Ça va permettre déjà deux choses voir s'il va être capable de faire des actions, des cartes de taf, des, des objectifs secondaires qui demandent parfois de ne pas être ébranlés, mais surtout de voir s'il va bien marquer ses 15 points de victoire. Celui-là, tu continues de l'avoir, il n'y a pas débat. C'est plutôt sur le central et celui chez moi. Sachant que donc là, toute mon armée ainsi que les prosécuteurs ont commandement, leadership 6. Donc je dois faire plus de 6. Euh, on va commencer par ceux qui sont importants le coronus. 8, c'est bon, les Venatari, 7, ah pile poil, les prosécuteurs qui sont là, on est bon, les capitaines de rempart qui sont là-bas, 5, donc je ne pourrais pas inspecter les signaux avec eux, qu'est-ce qu'ils vont faire Non je, je, je mais j'en peux plus, en fait, excuse-moi, c'est le seul que tu devais réussir, <laughs> parce que là, comme ça, tu ne me tuais pas, ben voilà. et là, tu réussis tous les autres, putain Et Traian, Valoris, fils d'Ascarouche, on est à 7, donc en fait, un seul loupé, celui du capitaine de rempart je ne sais pas quoi dire. Fin de ma phase Attends, de mouvement, ça va aller très très vite. Déjà parce que je vais pouvoir marquer que deux points dans inspecter les signaux avec les vénatins que j'ai déplacés dans l'angle. Je reste au corps à corps, j'ai rapproché de telle manière à avoir deux unités dans la zone de déploiement pour marquer cinq points, au moins pour essayer d'aller maximiser celui-là. Là-bas, malheureusement, je suis ébranlé, donc on va pas se poser de questions. On va rentrer dans les pépères, <laughs> voilà. Je peux les retirer, Laurent, ça te va Non, attendons, attendons. <laughs> et de ce côté-là, on va rester au corps à corps et on va tout saturer sur le bondisseur. Ici, on est venu contester l'objectif de la Ruspex. Le but, c'est elles vont mourir, les cocottes. Mais là, en l'occurrence, au moins, elles vont lui empêcher 5 points de primaire. Je n'avais pas la portée pour pouvoir me mettre dans l'angle de table et faire inspecter les signaux dans mon quart de table. Donc, ça va aller très, très vite. On va juste faire la phase de tir. Du Coronus sur le bondisseur. 8 tirs du Coronus sur le bondisseur. Donc A3. Force 5, endurance 5 sur du 4, Twin Linked, tous les 6 sont devastating. Une Devastating. Tu vois. Une Devastating et 3 saves. PA moins 1 dommage. C'est parti, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Il prend 1 point de vie et la Devastating, il est à 1 point de vie. Les 3 tirs du Lestroom Boltel. sustain elle est belle! fait passe! C'est dérangeant, normal que tu es au corps à corps! Force 5 sur du 4+, pas twin linked, tu en as 2, PA-1, un dommage! PA-1, dégâts 1, fait partie. Euh, il me reste 1 point de vie, j'ai une sauvegarde à 4 qui passe à 5. Tu mourras yes à... au corps à corps, c'est pas grave! Ouais, mais j'ai tapé <laughs> d'abord! Alors là, je crois qu'avec tes 25 PV, t'es mort! <laughs> Ici, histoire de. C'est vraiment pour le plaisir de me ah faire ouais, faire. Ça ah le faire. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment pour le plaisir. Là, on est sur du plaisir, petit plaisir. Euh, les gardes, les lances des gardes. Hop, hop. Force 4, ça va être sur du 5. Reroll D1. Une. P1-1 pour 2 dommages. un petit 1, mon petit lot, sur Reroll P1-1 pour 2 dommages. P1 dommages. Sur le 6 Sur du 5, pardon Non. Deux dommages. Eh ben écoute, il me reste un point de vie. Et l'épée, histoire 2. Une qui passe. Pareil, sur du 5. Reroll D1. Non, rien du tout. Il te reste un PV. Phase de charge, on va charger avec les Captains de rempart ébranlés. Je crois qu'on y est. Moi, je <laughs> crois que tu <laughs> fais pas un en dessous de 8 <laughs> sur ton <bâtard. rire> Oui, c'est <laughs> Ici, je vais taper en premier, 6 attaques. Et là, je vais blesser à 6. Ça t'en fait 2. PA-1 pour 1 dégât sur le petit véhicule. Enfin, le gros véhicule d'ailleurs. PA-1. 3 plus. C'est parti les gars, ici je vais aussi avoir frappe en premier, il a qu'un PC, il peut donc pas interrompre. Par contre il est en kata qui fait, c'est à toi déjà Laurent. Captaris, des catarailles Moins un pour toucher, c'est parti sur du 4. Ah bah c'est tout de suite moins bon hein J'ai un petit 6, donc un proc, c'est pas ouf. Et derrière par contre je vais te blesser, force 5, sur du 6-5. Écoute, ça va t'en faire que 2. 2, P1, moins 1. Donc en l'occurrence, 3 ⁇ Une un PV. Donc celui qui était à 2 passe à 1. Là les amis pour gagner du temps on va faire poupou -pou, pou parce qu'il va vraiment les pulvériser. On a vu qu'à chaque fois il hein, y a eu y... statistiquement ça swipe. <laughs> Regardez comme c'est stylé putain. Je vais le fendre en deux. <laughs> c'est parti. Ici je vais faire 6 attaques qui vont toucher à 2 ⁇ j'avais claqué un PC pour pouvoir avoir euh, une deuxième adaptabilité. Et cette adaptabilité, c'était bien évidemment de faire des touches létales. Donc là, j'en ai fait deux. Donc j'en ai déjà deux qui passent. Ensuite, j'ai trois touches qui, par contre, sont force 9, endurance 12 et sur du 5. Écoute, bah, comme ça, on s'arrête à deux. Bah, c'est moins 2 pour 3 dégâts, s'il te plaît. PA-2, donc ma bah, 2 passe à 4 pour 3 dégâts. 3 dégâts. Il m'en reste 6. Mon petit coup de griffe. Ensuite, 4 attaques sur du 2. Ouf, splendide. J'ai pas de 6, mais c'est bien. Force 7, toujours sur du 5. Ouh, joli, joli. PA-2, cette fois-ci. PA-2 pour 2, pour 2 dégâts. Donc, toujours pareil, ma 2 plus passe à 4 plus. Et c'est tanké. 6 attaques du tank sur le bondisseur pour essayer de le fuer. Sur du 4 Sur du 4. C'est encore jouable. 2 qui passe. Force 8 sur du 3. 3 Puisqu'on du 5. Tu en as 2 sans PA pour un dommage. Sauvegarde à 4. Il ah va. Ah. La deuxième était mort deux fois. Deux fois. Toup -toup. Fin de mon tour 4. Donc, j'ai marqué 7 de. Secondaire avec un seul signal respecté, puisque j'ai été ébranlé là-bas, mais j'ai été vengé <laughs> par les Venatari. Et ensuite, bien lent. 5 points pour deux unités dans le camp adverse, en l'occurrence Traian et son escouade et les Venatari. Donc 7 points plus 15 points. Je marque 22 points à ce tour-là avec 15 points de primaire, puisque j'avais 1, 2, 3 objectifs. Mon score total passe à 72. C'est parti, début de mon tour 5, je vais passer à 2 PC et Laurent va passer à 2 de aussi, là je vais marquer 5 points de victoire ici puisque je compte un objectif, malheureusement je suis au C4, ils sont 4, c'était la charge ratée tout à l'heure qui m'a décalé tout d'un tour, donc je ne vais marquer malheureusement que 5 points de primaire. Ensuite, au niveau bah, justement de ce que j'ai tiré, j'ai tiré inspecter les signaux et déployer la balise. <laughs> Je n'en peux plus de ce jeu. <laughs> Toute la game, il faut savoir que dès le déploiement, je disais :« Alors, putain, j'ai trois tours, inspecter les signaux, je suis à six points ouais. flat, mon gars. » C'est vraiment les gargouilles, non, les maintenant. bondisseurs. <laughs> non, Et ben, il arrive quand t'as plus rien. D'accord. <laughs> bah, donc, je vais avoir déployé la balise. C'est comme une action que je peux faire si je la fais dans la zone de mon adversaire. Et en l'occurrence, je vais le faire avec la, ruspe... la Ruspex. Ça sera cinq points de victoire. Et derrière, hygiène, je vais quand même tenter de défoncer ça avec ces mecs-là. C'est verdi les amis. Ça va donc aller assez vite globalement. Euh, on va avoir la Ruspex qui fait soit l'action dans les angles pour deux points, soit à l'action chez Laurent pour 5. Je dis non, est-ce qu'on n'appellerait pas un vrai stratège? <laughs> Donc, je vais faire bien évidemment l'action chez lui. Ensuite, bah, tout simplement, je vais défendre, je vais mettre tous mes tirs dans lui pour, euh, bah, pas faire grand chose, malheureusement, puisque Laurent va être joueur numéro 2. Voilà, on va débriefer, justement, de, de, sur ce scénario et sur ce match-up d'être joueur numéro 2 qui est offre, offre énormément d'avantages, euh, qui va de toute façon lui assurer 15 points de primaire, puisque lui va scorer à la fin de son tour. Donc, j'ai pas grand chose à faire, si ce n'est tout simplement tuer ça. Parisienne. Parisienne, exactement. <laughs> et comme ça, on verra après, par rapport au tour de Laurent, s'il doit détruire encore d'autres choses pour sa Voir si on a intérêt à faire des tirs d'attrition, sinon ça sera que de la mise en place. C'est parti, on va passer à la phase de tir. Ici j'avais que deux pc, faut savoir que donc ça normalement ça me coûterait un pc pour pouvoir bah, justement changer de doctrine, donc rajouter une doctrine, et deux pc pour crit sur du 5 parce que je suis à portée de synapse si j'avais voulu. Donc malheureusement que je n'ai que deux pc, on a donc uniquement lui qui changera tout à l'heure de doctrine, mais ça sera un petit peu plus tard. On va commencer par les deux tirs d'exocrine qui vont tirer dans lui. Le premier, des 6 plus 3, ça fera 8. Chaud, chaud, chaud il se chie. Hein. Et derrière ça va toucher à 3. Et force 8, endurance 12, c'est sûr du 5. C'était pas à 4 Et ça en fait 1. J'avais moins 1 pour toucher grâce à la règle au paradis des gros calibres qui fait euh, que j'ai moins 1 puisque t'es un véhicule au corps à corps. Donc je n'ai pas de couvert, donc PA-3, 2+, passe à 5+. Plus. Ça passe. 3 PV cash. 3 PV cash, il m'en reste 3. Yes, ensuite on a on le a deuxième. D6 bah plus 3. Ouh, 8, 8 toujours, c'est fort. Encore Ça touche à 3, relance D1 cette fois-ci. À 4+. Eh, Excuse-moi, j'ai pas bougé, je suis Eevee. Ça touche à 4 Oui, mais ça, ça touche à 3. Riol Parce qu'en fait, ça fait 3 plus 1 moins 1. Mais en fait, j'ai une merde. Donc, je vais juste relancer les 1. Les 2-2 ne passent pas. Hop, hop, hop. Et derrière, je suis forceux, 8 toujours sur du 5. Et écoute, ça va toujours trop faire qu'une. j'y n'y arriverai pas. Une. Donc, toujours PA à 3. Toujours pas de couvert. Donc, bah, de plus, pas ça. 5 plus. Ça tombe bien. C'est mon invulnérable. Ah Et donc, est ce qu'il explose ah, comme il, il explose. est nul, il s'est fait one shot. En cinq tours là. En 5 tours Et il explose Parce que ça, c'est du style, monsieur Ça, c'est ce qu'on appelle du style, il monsieur est très lumineux Il est très lumineux, ça m'étonne pas Si je dis pas de bêtises, il fait D3 mortel. Hop Et ce sera 3 mortels Bien sûr Dans le Nord, bien sûr C'est facile, ce jeu, avec D6 C'était 6 Lui, il est énorme, c'est un peu comme un Land Rider, donc quand il explose, c'est pas D3, mais D6 Il a fait 6 Mon ordre va donc prendre 6 dégâts, je n'ai rien à dire voilà <laughs> euh, Retire l'objectif Retire tout là. <laughs> je retire tout là En tout cas, je retire le norme <laughs> Donc pas, je ne suis pas sur l'objectif que j'avais ciblé, je n'ai donc pas d'insensible à douleur à 5. Je vais donc prendre 6 PV, il me reste 10. Fin de la phase de combat, je vais prendre 3 pouces et aller prendre cet objectif. À la fin de mon tour, je vais donc avoir marqué pour rappel 5 points de primaire. Et j'ai réussi à déployer à la balise chez Laurent, j'ai donc mis 5 points, j'ai donc fait un tour à 10. Je suis à 61 à la fin de la partie, je vais donc finir avec la peinture. Et crois-moi qu'il y a 10 points de peinture ici, à 71. Mon tour 5, je prends un point de commandement. Je passe à trois points de commandement. Je scorerai à la fin de mon tour. Les primaires. Et au niveau des secondaires, je tire assassinat. Et je tire interdire la zone. Ça tombe bien. J'ai Traian qui meurt d'envie de dire bonjour aux normes, l'émissaire. Fin de la phase de mouvement de Laurent. Globalement, il y a qu'un truc qui va être intéressant. C'est ça. Les Venataris sont revenus prendre l'objectif. Tout de même, il me faut que 10 points. Je suis déjà capé. Je suis déjà à 40 points de primaire. Donc 10 points me suffiraient pour monter à 50. Les 10 points de primaire, je les ai. Ce qui va être rigolo, c'est l'interdire la zone. Avec. Trian Valoris et le Nord. C'est la seule chose qui va être un peu fun. regarde-moi regarde cette figue, il a attendu ça toute sa vie le mec. <laughs> non, en termes d'imaginaire, c'est la, la figue du nord, Exactement. elle est insane. Franchement, okay, elle la, est insane. Oui d'ailleurs, on, on, on va la mettre comme ça. On va la mettre comme ça. C'est parti, tu <laughs> vas donc pouvoir enchaîner tes tirs, ta charge. On avait déjà vérifié avant, à côté de la ruine, c'est une charge à 11 moins son mouvement, ça sera donc une charge à 5. Exactement. On va faire les tirs. Donc, en l'occurrence, j'ai deux tirs de lance. Hop. Un PC. Une qui passe. Reroll. Rien. Les deux tirs du Watcher. Les deux qui passent. Et double 6. PA-2, ma sauvegarde à 2 passe à 4. Et ça en fait une 3 dégâts. 3 dommages. Fille le pain à 6 qui passe à 5 parce que je suis synapse et que vous m'avez entendu tout à l'heure dire appétit. Oh, oh, <laughs> voilà. Donc file le pain à 5. Eh bah ben, écoute, je vais en sauver 2. Il me reste 8 points de vie. Ça va être chaud frère. Déclaration de charge. En l'occurrence, on est là sur une charge à 5. 8. C'est étonnant ça. Surprenant, hein il n'y avait pas de PC, les gars, ça aurait pu être un drame. Honnêtement, ça aurait pu vraiment être embêtant. Et là, on va faire. <laughs> on va claquer un PC pour venger les morts, pour que j'ai une, une, deux attaques de plus par gars. Et on va faire un PC supplémentaire pour faire plus un force, puisque je tape sur un monstre et que tu as une endurance plus haute que ma force. Et ben moi, je vais faire euh, un PC. à <laughs> 5 toujours. Et on va commencer, bien évidemment, par Traian, Fizias scarouche Je vais utiliser Dakatarai pour avoir. Sustain, touche soutenue, puisque j'ai déjà fait le plus 1, force avec le stratagème. Donc on est à 6 attaques plus 2 pour venger les morts, 8 attaques. J'ai 3 touches <laughs> soutenues. Du don Tu te calmes, Jean-Claude Et on est force 10, endurance. 11. 11. 11, donc ça ferait sur du 5, plus, mais plus 1 pour blesser sur du 4. Plus. Et Allez. full reroll, puisque je suis sur un objectif et je suis un coach, Allez, prout prout, 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 prout Prout, prout, prout Tiens, tu en as exactement tout ça. <laughs> C'est PA. PA, moins 2 pour 3 dommages flat. C'est parti, 3 dégâts flat, ma sauvegarde à 2 passe à 4. Allez, faut tanker Et puis le poil stat. Tu en fais à peu près 12, ça tombe bien. Ça, ça fait 8 et 4, 12. C'est parti, il no paye la 5. Je vais en sauver 2, 3 malheureusement, et ça va faire 2, 4, 6, 8, 9 PM oh. malheureusement. Il est mort, est-ce que moi aussi j'explose Oui Ouh. Mais moi, à part en mettre tout ça va être moins sympa. Mais tu vas prendre deux mortels, Philno Pain. Deux mortels, Philno Pain. Joli, euh, voilà. ai à HTCD. Voilà. Je Magnifique, et écoute, je vais le faire. T'as vu la fin Pouf. En plus, ils étaient alignés. C'est ah ouais, parallèle. Eh, on aurait voulu le faire sur Photoshop, on n'y serait pas arrivé. Les Un les pointeur dans Warhammer. <laughs> fin de mon tour, je vais donc marquer 5 points parce que j'ai tué tous les personnages. En l'occurrence, il n'y avait plus de personnages, mais comme je les avais tués précédemment, il est auto-include, je marque 5 points. Et interdire la zone, ce combat magique entre Traian et le Nord, la zone est libre de tout ennemi, <laughs> donc je marque 5 points aussi. Donc je marque 10 points. Et bien évidemment, en contrôlant 1, 2, 3 objectifs, je marque 15 points. Mais de toute manière, je ne pouvais marquer que 10 points sur le primaire. Donc je capte le primaire. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de jeu. Le score, comme on l'a vu pour moi tout à l'heure, s'est arrêté à 61, 71 avec la peinture. Toi, derrière, bah, écoute, tu vas caper les primaires comme tu l'as dit. On rappelle que les primaires sont capées à 50 points sur Warhammer et les secondaires à 40. Or là, eh bien, écoute, ça tombe bien puisque tu as capé les primaires et les secondaires, tout pile d'ailleurs pour les secondaires. Tu vas donc faire une... C'est un, bien, un parfait puisque tu vas être à 90, plus 10 de peinture, tu vas donc être à 100. Donc le score final est de 71 à 100, ça fait donc 29 points d'écart. Si on met ça sur un score sur 20, on va regarder le nombre de tranches de, 5, de plus de 5 points d'écart qu'on a. Là, elles sont au nombre de 5, ça va donc faire 15 à 5. Bien joué mon petit Laurent pour, pour cette petite game, clairement marrante. Après... Il y a deux, trois faits de game qui fait que je pense que le score est un peu plus creusé. Exactement. Parce que c'est pas une liste optimisée euh, Custodes. Toi, on a vu que tu avais fait des très bons moves. J'ai fait quelques erreurs straté stratégiques, Calidus et autres, qui, qui auraient pu me coûter des points. Mais le fait que j'ai une belle chatte, soyons clairs, j'ai eu une belle chatte, en tout cas, au bon moment, a fait que ça a fait basculer creuser cet écart qui, je pense, aurait pu être plus serré. 5 points. Vous être potentiellement peut-être plutôt à 2-3 points, une petite win. Là, on est sur une belle win. C'est ça, et c'est exactement ça, pas mieux. En gros, euh, clairement, moi aussi, j'ai fait des erreurs quand on regarde vraiment. Alors, la micro. Je pense qu'il y a certainement des erreurs, mais des deux côtés, là c'est la même chose. En termes de macro, c'est-à-dire la gestion des ressources, euh, là clairement on l'a vu, mais sur l'objectif dans le man's Land, oui. j'ai deux exocrines plus euh, bah, le justement norm. le norme. c'est peut-être un peu trop, mais d'un autre côté, en tyrannite, c'est un peu la dissuasion, je suis obligé de mettre, et finalement il n'y a que 600 points sur un objectif, tu vois, parce que je veux dire. Là où pour le coup, clairement on a senti que ça allait bah, justement vaciller sur, pas une petite égale ou une petite win, mais un plus gros, c'est certains craquages. On a le Swarmland qui se fait OS, alors que normalement stat, il est censé un petit peu survivre, bon, en tout cas, lui derrière te priver potentiellement des trois venatari, et moi derrière en fait alors que je charge avec euh, le, le Malceptor en me disant au moins je protège ma backline parce qu'à ce moment-là je ne sais pas qu'ils ont Advanced enfin désengagement charge euh, c'est là où ça me met dedans parce que je ne protège pas chez moi mmh. alors que derrière on l'a vu si jamais je reculais déjà la charge elle passait pas nécessairement parce que oui. je suis infanterie et en plus de ça si je le sais je protège aussi en mettant justement un sport mine parce que je sais potentiellement que dans la main de mes objectifs et eh ben j'ai encore potentiellement l'écart de table j'ai encore justement des mouvements qui qu'un mine peut empêcher puisque déjà ça empêche les FEP, ça empêche les Advances donc mine 2 quand on a envie justement de contrôler un peu le mouvement adverse, ça reste quand même une super unité. Mais derrière, je pense que globalement, ça a été des petits effets de jeu, que ce oui. soit sur le tirage de cartes ou en plus on se le dit en termes d'anticipation, putain, les angles, jusqu'au T4, j'avais encore plus ans. de ressources Et en fait, bah non, ça arrivait T5, donc ça a été un petit peu la hesse. Euh, HES. En tout cas, c'était super cool. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les custodes Toi, je sais que tu les joues euh, en compétitif en Ligue 1 d'ailleurs. Ouais. Euh, et là, ta liste, elle est jolie. Est clairement, oui. euh, on a, voilà, on a, on a un... fait un peu de tout. Ouais. Puis moi, j'adore sortir la limousine. Elle est magnifique. Qu'est-ce que tu penses du custo aujourd'hui Le custo est clairement revenu le un, euh, la Data Slate, plus le Minitorum, le fait que les, les courants points étaient remodifiés encore à la baisse, et la Data Slate qui a ramené ce qui était un peu surprenant, c'est-à-dire que leur, leur cœur d'armée, le, le, la règle d'armée qui était le film No Pain, euh, l'insensible sur 4+, mortel et Devastating moon et blessures dévastatrices, qui était venu que blessure mortelle et ça avait tué. Clairement c'est un tournoi raquette qui a duré 6 mois, c'est un ouais. peu con de la part de Games même. Là c'est revenu, euh, ils font toujours aussi bien le primaire, ils font toujours aussi bien le secondaire quand ils sont... Allié à quelques petites euh, quelques, quelques petites unités, on l'a vu là. C'est à dire que bah, je fais 100. Pourquoi j'ai mal utilisé la Calidus euh, Donc ça montre encore que j'avais d'autres sources. J'avais pas, par exemple, les Alarus qui sont aussi très pratiques pour aller faire du secondaire. Là, par exemple, inspecter les signaux avec des Alarus et une Calidus encore en vie, c'était clairement des points supplémentaires. Complètement ouais. Donc en fait, ils sont très méta pour ça. Après, ils ont des vrais contres, tout ce qui est saturation et autres. Là, on l'a vu là. On peut dire, tout à l'heure on a dit que, a... en fait, si vous voulez, ce qui est rigolo, c'est que je pense que globalement que sur la chatte ou la déchatte, on a eu la même. Ouais, il y a eu des jets qui ont ouais. craqué dans tous les sens à base de que des 6 d'un côté ou que des 1, On a eu tous les deux. Les tu one shot j'aurais mettre Exactement. le voilà Ouais ou même le fait que je crois que tu réussis quasiment aucune carte ouais. plus. Bref, il y a un pack qui font un petit peu trop vite ainsi de suite. Mais c'est pas ça qui crée justement ce fameux déséquilibre. Non. Ça pour ça, la chance non. C'est plutôt qu'à certains moments sur un tirage de cartes ou sur bah, deux PV sur un monstre, ça fait la diff quand tu joues assez peu de figurines entre guillemets. Exactement, après comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'au niveau macro, vous l'avez vu dès le T1, dès que j'ai vu qu'il y avait le norme et les deux euh, exocrines dans cette, euh, cet angle-là, alors que j'avais mes veilleurs qui pouvaient faire advance et charge avec le Blade Champion potentiellement, je me suis dit bah non en fait je l'abandonne celui-là. Ah je, je le laisse tranquille. Il y avait hein. Une magnifique sport En plus j'avais la spormin surtout. Et surtout j'ai vu toute la trigonométrie que tu t'es cassé <laughs> les pieds à faire avec, avec la spamination avec... pour essayer de m'empêcher. Je me suis dit mais non en fait c'est trop compliqué, <laughs> je, je, je respecte le <laughs> Saspor <spormine>. Respectons Respectons <laughs> sa le non non. Il m'a fallu 24 l'aide de <laughs> c'est c'est vrai que c est, c est un des, une Custom. On a peu de ressources, mais les ressources, quand elles sont sur un objectif. Ça a l'air très jouissif euh, à jouer. Le fait de jouer peu d'unités, tu joues à peu près entre 20 et 30 figurines, franchement c'est un gros kiff. Et on voit que là ils ont les burnes entre guillemets pour tanker et ça veut dire c'est ce qu'on attend en fait des custodesses au niveau de leur lore. Même sur une liste euh, pas fleuve, parce qu'il y a très peu d'unités, donc c'est facile à dire en Custodes, mais même sur une liste avec beaucoup de prosécutors, les Sagittarums, parce que les Sagittarums on a vu c'est rigolo, mais la PA-1, mis à part le tour, ils font de la devastating moon la Bizarre Dévastatrice, à la fin de la journée ils font rien, ils vont me mettre un autre pack de, 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 de gardes ou des Alarus. À voir à la fin de la semaine, mais à la fin de la journée, je suis d'accord avec toi, quand ah. on regarde <laughs> leur productivité réelle, connard. <rire> 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 C'est pas très gauche. <rire> <rire> le Coronus, c'est pareil, c'est mignon, mais c'est 200 points qu'on veut mettre clairement ailleurs. Euh, voilà, c'est pas. on voit que sur des listes avec peu de choses, euh, comme tu dis, peu d'unités, on peut faire vraiment du bon scoring aussi bien sur le primaire sur que sur le secondaire. L'OC3, dès qu'on met des vexils partout, c'est juste magique. Donc euh, une... le Custo est clairement revenu, et on le voit dans les gros tournois, il est quasi auto inclus dans les 8. Ce qui est génial, c'est que ce soit en équipe ou en solo, on a vu le Custo revenir dans, 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 dans le méta, et moi, c'est une armée que j'adore. Qui est iconique, donc ça c'est juste génial. Et c'est ce qu'on peut dire aussi aujourd'hui, c'est le métal, mais ça part un ou deux trous tout est jouable mais tout on, est un jouable. mec honnêtement tout le reste il est trop cool. Ben. Ça se voit là honnêtement le Tyrannide même là excuse-moi hein? on n'a pas as assez plein de friction. Ouais, alors ah, ouais. déjà euh, j'ai pas arrêté de le dire Orcam mais putain je vais kiffer tout ça. Enfin euh, non j'ai kiffé liste j'ai kiffé la mienne. Moi la mienne elle est quand même un petit peu plus optimisée que la tienne je pense quand même et on sent peut-être la différence entre le Tyrannide et l'autre. Mais clairement en fait là c'était aussi pour montrer que bah regardez alors j'ai pas tabloise, mais il te reste pas énormément de ressources ah, non, et bah, on parle d'un Tyrannide qui est censé être un petit peu mou. Oui on voit que les deux exocrines les deux malceptors. Ah, oui, putain, ça ça envoie ça pique. Non c'est ça que génial en comme tu dit la qui est peut-être un peu en dessous et le, le nécron qui est peut-être un peu au-dessus tout est jouable et on prend du plaisir sur beaucoup de games donc là c'est vraiment c'est très agréable et on voit aussi que games c'est très à l'écoute la data slate est un très bon exemple ils réagissent que ce soit pour le custo ou de trucs dans la raquette ils réagissent et réagissent plutôt bien avec vraiment un, un bon pointeur <laughs> En tout cas merci à toi mon petit Laurent d'être venu. Bonjour franchement c'était trop cool de te revoir et juste de, de, de partager quelques petits échanges de dés. On espère les amis clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French War Game Studio ainsi qu'avoir du contenu en avance, ou voire exclusif, notamment avec cet homme alcoolisé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le... la fin journée on en reparle. <laughs> n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee les amis. Et on va tout simplement vous dire à plus les Wargamers